The Sermon, A Guide, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, October 14, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Un guide », a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche soir 14 octobre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Que le Seigneur te bénisse, Frère Neville. Je suis vraiment content d'être de nouveau dans l'église ce soir. Just a teeny bit hoarse. Je suis un tout petit peu enroué. Un message plutôt long ce matin, mais je suis réellement content qu'on l'ait eu. J'y ai moi-même pris plaisir à la porter. Et j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Don't forget now, always remember this, that these are the things that build the servant of Christ. Maintenant, n'oubliez pas, souvenez-vous toujours de ceci, que ce sont ces choses qui construisent le serviteur de Christ. Faith first, then virtue. Voyez-vous, d'abord la foi. Ensuite, la vertu. And now remember, the Holy Spirit cannot cap the building of God until these things are operating by us. Et maintenant, souvenez-vous, le Saint-Esprit ne peut pas coiffer le bâtiment de Dieu tant que ces choses-là ne sont pas agissantes par l'Esprit. Voyez? No matter what you do. Quoi que vous puissiez faire, voyez-vous, those are the things that build the body of Christ. Those things. Ce sont ces choses-là qui construisent le corps de Christ. Voyez-vous, ces choses-là. Now, don't forget that. Maintenant, ne l'oubliez pas. This year is, first is your faith, virtue, knowledge, and so forth is to be added to it until the complete statue of Christ is made manifest. D'abord, il y a ceci, votre foi. La vertu, la connaissance et ainsi de suite doivent s'y ajouter, jusqu'à ce que la stature complète de Christ soit manifestée. Et alors, le Saint-Esprit descend sur elle et la scelle pour former un seul corps. These things must be. Ces choses doivent être là. Therefore, Jesus said, by their fruit they are known. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Fruit. Voyez-vous, le fruit. You could not bear fruit without these things to bear in you. Vous ne pourriez pas porter du fruit à moins d'avoir en vous ces choses qui le produisent. And then when all this takes the place of worldliness and ungodliness and so forth. Et alors, quand tout ceci remplace la mondanité et l'impiété et tout, then all unbelief is cast out, and all the things of the world is passed away. Then there's nothing but a new creature in Christ. Alors toute l'incrédulité est chassée. Alors toutes les choses du monde sont passées. Il ne reste plus alors qu'une nouvelle créature en Christ. And then, Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption. Et alors, Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. Sealed into the kingdom of God. Scellés dans le royaume de Dieu. I don't forget that. Maintenant, n'oubliez pas cela. Keep that in mind now. Take these things first. Retenez bien cela maintenant. Il faut d'abord ces choses-là. Then the sealing is the Holy Spirit, the cap that seals us into the body. Ensuite, le scellement, c'est le Saint-Esprit, la coiffe qui nous scelle dans le corps. All right. Bien. We got a request now for a sister Little.
of Chicago. Nous avons une requête maintenant pour Sœur Little de Chicago. Her husband has been in an automobile accident and is laying just at the point of death. Son mari a eu un accident d'automobile et il est à l'article de la mort. Sœur Little. And Edith Wright, our little sister here, as we've known for so long, she's very, very bad in her home tonight. Et Edith Wright, notre petite sœur ici, que nous connaissons depuis si longtemps, elle est très, très malade à la maison ce soir. And they wanted to announce this to the church so we could all pray together. Et il voulait que ce soit annoncé à l'Église pour que nous puissions tous prier ensemble pour cette requête. Now, let us bow our heads just a moment. Et maintenant, courbons la tête un petit instant. Our precious Heavenly Father, we are gathering around by faith the throne of God. And we are asking for divine mercy for these requests. Notre précieux Père Céleste, nous nous rassemblons autour, par la foi, du trône de Dieu et nous demandons la miséricorde divine pour ces requêtes. Brother Little, a car accident near death. Frère Little, un accident de voiture, il est mourant. God help him. Oh Dieu, aide-le. May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord. Puisse le Saint-Esprit être à son chevet et nous le ramener, Seigneur. And little Edith Wright down there. I pray, God, that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again. Et la petite Edith Wright là-bas, je prie au Dieu que le Saint-Esprit soit près de son lit ce soir et qu'il la rétablisse. Accorde-le, Père. Thou hast promised these things, and we believe them. Tu as promis ces choses, et nous les croyons. And as we were thinking this morning that distance means nothing to you. Et comme nous méditions là-dessus ce matin, que la distance ne compte pas pour toi. You are just as great one part of the world as you are the other, because you're omnipresent, omnipotent. And infinite. Tu es tout aussi grand dans une partie du monde que tu l'es dans l'autre, parce que tu es omniprésent, omnipotent et infini. And we pray, Father, that you will grant these requests through Jesus Christ's name. Amen. Aussi, nous te prions, Père, d'accorder ces requêtes par le nom de Jésus-Christ. Amen. Very happy. To be in tonight again to... Je suis très content d'être de nouveau ici ce soir pour... And I know it's hot. Je sais qu'il fait chaud. These are three straight meetings and it's... I know some of you got as much as 500 miles to drive between now and morning. On a eu trois réunions de suite et c'est... Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont jusqu'à 500 milles de route à faire en voiture d'ici à demain matin. And starting next tomorrow, I got 1400 to drive after that. Et à partir d'après-demain, moi, j'en aurai 1400 à faire en voiture après ceci. Alors, j'espère bien que vous avez tous passé des moments merveilleux. Moi, j'ai passé des moments merveilleux à fraterniser avec vous. Because there's no room. Il n'y a qu'une chose que nous avons demandé. On est obligé de refuser tellement de gens à cause du manque de place. We can't jam the aisles too much. Apartment will not stand still for that. Nous ne pouvons pas trop encombrer les allées. Le service des pompiers n'accepterait pas ça. So we're trying now to get a little bigger a church so that when we're in and we can... Have a seating room for the people. Alors là, nous essayons d'avoir une église un peu plus grande pour que, quand nous serons là, nous puissions avoir assez de place assise pour les gens. And now, anytime, you're always welcome here at the tabernacle. Et maintenant, n'importe quand, vous êtes toujours les bienvenus ici au tabernacle. Where we have no creed but Christ. No law but love, no book but the Bible. Où nous n'avons aucun autre credo que Christ, aucune autre loi que l'amour,
aucun autre livre que la Bible. Et alors, et notre pasteur, c'est frère Orman Neville, ici. Et l'assemblée que nous avons ici, c'est beaucoup de gens qui se réunissent ici pour former un tabernacle interdénominationnel. Vous venez adorer Dieu ici selon ce que vous dicte votre propre conscience. Nous sommes toujours contents de vous avoir avec nous. Alors, venez quand vous le pouvez. Nous sommes toujours contents de vous accueillir. Et maintenant, pour autant que je le sache, la prochaine fois que je serai avec vous, ce sera après que l'église sera terminée. Et à ce moment-là, je veux, après les âges de l'église, alors nous voulons aborder les sept derniers sceaux. Et les sept derniers sceaux du livre de l'Apocalypse, apporter un enseignement là-dessus. Et bon, il arrive bien souvent que ceux qui sont malades et affligés viennent. And during these meetings, where visions are required and come for special interviews. Et au cours de ces réunions, des cas qui nécessitent des visions, ils viennent pour des entretiens particuliers. If I get into that, then I just can't get the difference between them. And it's hard for me to speak after that. Si je m'engage là-dedans, ensuite je n'arrive plus à faire la distinction entre les deux. Et vous savez, c'est difficile pour moi de prêcher après ça. And everyone knows that in our healing campaigns that Mr. Baxter or someone usually does the preaching. Tout le monde est au courant que pendant nos campagnes de guérison, d'habitude c'est Monsieur Baxter ou quelqu'un d'autre qui prêche. And I cannot pray for the sick because it's just a little strange. Et moi, je sors pour prier pour les malades, parce que ce serait un peu trop épuisant. J'ai prié pour des gens il y a quelques instants. Et j'ai aussi rencontré un petit enfant là que les médecins, il avait quelque chose au dos, c'est de naissance. En sortant, je l'ai vu assis là, il est plâtré. Cet enfant n'aura plus jamais à être infirme comme ça. Il va se rétablir. C'est sûr, voyez-vous, ça, je le sais. Voyez-vous, j'en suis certain. Alors, nous voulons avoir la foi et croire en Dieu. Chacun de vous, et beaucoup d'entre vous me sont inconnus, tous les ministres et tout. Si je ne me trompe pas, ici, c'est frère Crace, pas vrai? Frère Crace, je vous dois des excuses de n'être pas allé là-bas pour la dédicace. Peut-être que j'y irai pour une réunion de fin de semaine. Ce sera aussi bien, pas vrai? Là-bas, à Bloomington. Are you doing well? Vous vous portez bien? Good. Bon. Some of these brothers here are ministers, I suppose? Certains des frères ici sont ministres, je suppose. You're a minister? Yes, sir. Vous êtes ministre? Oui, monsieur. Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. And how many ministers are in the building? Let's see your hand. Et combien y a-t-il de ministres dans la salle? Levez la main. Oh, that's just fine. We're glad to have you here. Just so happy. Eh bien, ça, c'est formidable. Nous sommes contents de vous avoir ici avec nous, vraiment très heureux. God ever bless you. Que Dieu vous bénisse toujours. Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere from tonight, starting tonight. Bon, pour que nous puissions sortir très tôt, certains vont partir pour la Géorgie, le Tennessee, New York, partout ce soir. Ils repartent ce soir. Now, drive careful along the road. Maintenant,
conduisez prudemment sur la route. Si vous avez sommeil, que vous ne voulez pas vous arrêter dans un motel, rangez-vous au bord de la route et dormez jusqu'à ce que vous... That's what I do. C'est ce que je fais, voyez-vous. Just drive off and sleep. Don't drive while you're sleeping. Rangez-vous simplement et dormez. Ne conduisez pas quand vous avez sommeil. It's a bad thing. Ce n'est pas bien. And remember, it's not you, it's the next fellow you have to watch. Et souvenez-vous, ce n'est pas vous, c'est l'autre type qu'il faut surveiller. Voyez. You know where you're going. You don't know where he's going. So you have to watch that guy. Vous savez où vous allez. Lui, vous ne savez pas où il va. Alors il faut surveiller ce gars-là. So be sure that you be alert all the time to watch for it. Alors, assurez-vous d'être vigilant tout le temps pour surveiller ça. Now, I wish to read tonight a portion of scripture found over in the book of Saint John. Maintenant, j'aimerais lire ce soir un passage de l'Écriture qui se trouve dans l'Évangile de Jean. Now, these little scriptures that we read and refer to are give us a basic for what we're trying to say. Or, ces petits versets que nous lisons et auxquels nous nous référons, ils nous servent de base pour ce que nous cherchons à dire. And always, I have never one time as I ever remember of ever coming to the pulpit to try to just say something to be saying. Et toujours, je n'ai jamais une seule fois, je ne me rappelle pas être jamais monté en chair pour essayer de dire quelque chose, juste pour dire quelque chose. I always try to wait, watch, study, pray until I feel that I have something that would help the people. Je m'efforce toujours d'attendre, de veiller, d'étudier, de prier, jusqu'à ce que j'aie le sentiment d'avoir reçu quelque chose qui aidera les gens. Si je ne peux pas être une aide, alors il est inutile que je me tienne ici. Voyez-vous? C'est pour essayer d'aider. And now tonight, of course, the bigger part of our crowd has moved out from this morning. And they had to go home, many of them. Et maintenant, ce soir, évidemment, la plus grande partie de notre groupe est repartie ce matin. Et il fallait qu'ils rentrent, beaucoup d'entre eux. But tonight I told you, if you stayed over, we'd try to have just about a 45-minute talk on something that I hope would help us. Mais ce soir, je vous avais dit que si vous restiez, nous essayerions de ne parler qu'à peu près 45 minutes sur quelque chose qui, j'espère, nous aidera. And we're going to base this now on Saint John, the 16th chapter. Et pour servir de base à ceci, maintenant, nous allons prendre Jean, chapitre 16. And let's begin about the seventh verse of the 16th chapter and read through the 15th verse. Et commençons vers le verset 7 du chapitre 16. Et lisons jusqu'au verset 15. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. Toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. But if I depart, I will send him unto you. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. Of sin because they believe not on me. De péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Of righteousness because I go to my Father. And you see me no more. De justice, parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. Of judgment, because the prince of this world is judged. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear,
That shall he speak. Car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. And he shall show you things to come. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. For he shall glorify me. Car celui-là me glorifiera. Or he shall receive of mine and shall show it unto you. Car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. All things that the Father has, hath are mine. Tout ce qu'a, qu'a le Père est à moi. Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Now in this 13th verse, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you unto all truth. Maintenant, au verset 13, ici. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. When the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. What is truth? Word. La vérité, qu'est-ce que c'est? La parole. For he shall speak, he shall not speak of himself, but what he hears, he'll speak. Car il parlera, il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. What he hears, he'll speak. Il dira ce qu'il aura entendu. In other words, he'll be the one that will reveal the thing. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose. Vous voyez? And the fourth chapter of Hebrews, the Bible said that the word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the mind, the heart. Et au chapitre 4 de Hébreux, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchants, qu'elle discerne les pensées de l'esprit du cœur. Voyez-vous, ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Voyez? What's going to do that? Qu'est-ce qui va faire ça? The Holy Spirit. Who will come in the name of the Lord Jesus. Le Saint-Esprit qui viendra au nom du Seigneur Jésus. I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word guide. A guide. J'aimerais prendre les quelques minutes qui vont suivre pour attirer votre attention sur le mot guide. Un guide. You know, I've had some quiet experience in the woods. Vous savez, j'ai eu pas mal d'expériences dans les bois. A guide, someone to show you around. Un guide, quelqu'un pour vous montrer le chemin. You have to have a guide when you don't know where you're going. Vous devez avoir un guide quand vous ne savez pas où vous allez. And being acquainted with hunting and the world around, I've had the opportunity to meet guides. Et comme j'ai l'habitude de la chasse et partout dans le monde, j'ai eu l'occasion de rencontrer des guides. And I am a guide myself in Colorado. Et je suis moi-même un guide dans le Colorado. Because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado. En effet, je connais la région. J'ai été ouvrier de ranch et tout, alors je peux être guide dans le Colorado. Now, a guide has to know the way. Or, un guide doit connaître le chemin. Il doit savoir où il va et ce qu'il fait, et comment prendre soin de vous sur la route. Voyez? Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. Un guide, c'est un homme qui a été sélectionné. If he is a guide. C'est l'État qui sélectionne cet homme-là, s'il est un guide. And now, in going on a trip into the wilderness where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one. Et maintenant, quand vous partez en excursion dans une région sauvage où vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, il n'est pas bon que vous partiez sans en avoir un. Frankly, some places you can't even go without one. For instance, Canada. Franchement, il y a des endroits où on ne peut même pas aller sans en avoir un. Par exemple, au Canada. The guide has to sign your license
to the game warden. Le guide doit signer votre permis. C'est pour le garde-chasse. He has to sign himself in and he is responsible for you. Il doit s'inscrire. Et vous êtes sous sa responsabilité. If anything happens to you, it's his responsibility. S'il vous arrive quoi que ce soit, il en est responsable. He's got to take care of you. Il doit prendre soin de vous. He's got to see that you're not lost. Il doit voir à ce que vous ne vous égariez pas. He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't owe your way back. Il doit s'assurer de ne pas vous envoyer quelque part d'où vous ne saurez pas revenir. Et s'il arrivait que vous vous égariez, il doit connaître la région tellement bien qu'il pourra aller vous chercher n'importe quand. Il doit connaître toutes ces choses, sinon il ne peut pas être un guide. Il ne peut pas obtenir un permis de guide. Pour ce genre de choses, parfois, il faut que vous preniez rendez-vous. Call ahead and make arrangements. Get reservations to be taken out. Que vous appeliez à l'avance et que vous preniez des dispositions. Que vous ayez des réservations pour qu'on vous accompagne. And if you're, sometimes he's still up. And he cannot take you. You have to put it off for a while. Of the earthly guide. Et si votre, parfois son horaire est complet, il ne peut pas vous accompagner. Vous devez remettre ça plus tard, à cause du guide terrestre. You never have to do that with God's guide. He's always ready. Always ready. Vous n'avez jamais à faire ça avec le guide de Dieu. Il est toujours prêt. Toujours prêt. Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost and perish. Maintenant, si vous ne vous occupez pas de ces préparatifs et que vous comptez partir en excursion dans une région sauvage où vous n'êtes jamais allé auparavant, vous pourriez vous égarer et périr. You got about 1% chance to get out of the wilderness. Vous avez environ 1% des chances de sortir de cette région sauvage. That is, if it isn't too dense, you might have 1% chance to get out by yourself. C'est-à-dire, s'il n'est pas trop dense, vous auriez peut-être 1% des chances d'en sortir tout seul. But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out. Mais si c'est une région sauvage très vilaine, très éloignée, vous n'avez pas la moindre chance d'en sortir. There's no way to do it because you find yourself on the death walk and then you're done, then you're finished. Il n'y a aucun moyen d'en sortir parce que vous vous retrouvez en train de faire la marche de la mort. Et à ce moment-là, vous êtes fichu. À ce moment-là, vous êtes fini. Now, and you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back. Alors, et vous périrez si vous n'avez pas un guide qui connaît la région et qui sait comment revenir. Many of you are acquainted with the article you have read last year out of Tucson, Arizona. Those Boy Scouts. Beaucoup d'entre vous ont pris connaissance de l'article. Vous l'avez lu l'an dernier, là-bas, à Tucson, dans l'Arizona. Ces Boy Scouts. Yet they were trained to know how to take care of themselves. They were scouts. Pourtant, ils avaient reçu une formation pour savoir se débrouiller tout seul. C'était des scouts. And they were not just cub scouts, they were full scouts. Et ce n'étaient pas de simples louveteaux, c'était des scouts, des vrais. And they took a trip up into the mountains. And a snowstorm came. Nature changed its position. Ils ont fait une excursion en montagne et une tempête de neige s'est levée. La nature a changé de position. And when they found themselves lost. And all of them perished. Et là, ils se sont égarés et ils ont tous péri. It's because that they something change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out. C'est parce qu'il quelque chose, il y a eu une modification du cours normal des choses auquel ils étaient habitués. Ils ne savaient plus comment sortir. Voyez? And I forget how many boys there was. That perished in the mountain. Et je ne sais plus combien de garçons ont péri dans la montagne. Though they had helicopters and the militia out and the National Guards and volunteer help,
Bien qu'on y ait envoyé des hélicoptères et la milice et la garde nationale et des bénévoles et tout. Mais ils s'étaient égarés. Personne ne savait où ils étaient. Et ils n'ont pas pu se débrouiller tout seuls. Ils ont tous péri dans la neige, parce qu'ils ne savaient plus s'ils se dirigeaient vers l'est, le nord, l'ouest ou l'est, s'ils montaient ou s'ils descendaient, ni rien. Pour eux, c'était tout pareil. Now, God knows where he's at, regardless of the weather. Or, un guide sait où il est, quel que soit le temps qu'il fait. He's equipped to do that. He knows what he's doing. Il a ce qu'il faut pour faire ça. Il sait ce qu'il fait. He's familiar with everything. He knows the looks of everything. Il a l'habitude de tout. Il connaît l'aspect de tout. So he can just be in the darkness. He can feel a certain thing. Il pourrait donc être dans l'obscurité et il pourrait tâter une certaine chose. For instance, here's an old trick to a guide. Par exemple, voici un vieux truc de guide. You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going. If you watch the stars. Vous savez, si vous pouvez voir les étoiles, n'importe lequel d'entre vous, vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez si vous observez les étoiles. And you always want to watch the one true star. Et vous devez toujours observer la seule étoile véritable. There's only one true star, and that's the North Star. Il n'y a qu'une seule étoile véritable, c'est l'étoile polaire. Only one. He stands in the same place. Voyez-vous, qu'une seule. Cet astre reste toujours à la même place. That represents Christ, the same yesterday, today and forever. Il représente Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Others might wander away, but he remains the same. Les autres pourraient s'éloigner du chemin, mais lui, il reste le même. Churches may draw you off this way or some draw you off that way, but not him. He's always the same. Les églises pourraient vous entraîner dans cette direction-ci, ou d'autres vous entraîner dans cette direction-là, mais pas lui. Il est toujours le même. Eh bien, maintenant, si vous ne pouvez pas voir cette étoile polaire, que c'est nuageux, à ce moment-là, vous n'avez qu'à remarquer s'il fait jour et que vous êtes égaré, vous n'avez qu'à bien regarder les arbres. The tree is always... The moss is on the north side of the tree because the south side of the tree gets the sun more than the north side. L'arbre, il a toujours la mousse est sur le côté de l'arbre qui est au nord, parce que le côté de l'arbre qui est au sud est plus exposé au soleil que le côté qui est au nord. But what if it's dark and you can't see the moss? Mais s'il fait nuit et que vous ne pouvez pas voir la mousse. If you close your eyes and don't try to do any thinking. Si vous fermez les yeux sans chercher à réfléchir. Close your eyes and get a slick bark tree. Put your hands around the tree like this till your fingers meet. And then start moving around that tree real slow. Fermez les yeux et trouvez un arbre à l'écorce lisse. Mettez vos mains autour de l'arbre comme ceci jusqu'à ce que vos doigts se rencontrent. Et alors, déplacez-vous très lentement en faisant le tour de l'arbre. And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side. Et quand vous toucherez un endroit où l'écorce est très épaisse, gercée, ça, c'est le côté du nord. The wind, and you can tell which way you're heading, north or south. Les vents, alors vous pouvez savoir dans quelle direction vous allez, au nord ou au sud. And that way, oh, there's many things, but it takes guides to know how to do those things. Et ainsi, oh, il y a bien des choses. Mais il faut être guide pour savoir faire ces choses. Un simple homme ordinaire irait là et il dirait, « Pour moi, au toucher, il n'y a pas de différence. » Voyez. Voyez-vous, vous devez être formé pour ce travail de guide. And these boys, no doubt that they were fine scouts. They might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks and... Ces garçons, sans doute que c'était de très bons scouts. Ils savaient peut-être faire des nœuds, ils savaient peut-être faire du feu avec des cailloux, et ainsi de suite, comme ça.
Mais de savoir par où sortir, c'est ça qu'il faut. They did not know the way out. So therefore they all perished because they didn't take a guide with them. Ils ne savaient pas par où sortir et donc ils ont tous péri parce qu'ils ne s'étaient pas fait accompagner par un guide. An unthoughtful father, 2 years ago in Colorado. Oh, he's going up into the mountains. He had a little boy about 6-7 years old. Un père imprudent, il y a 2 ans dans le Colorado. Oh, il allait partir dans les montagnes. Il avait un petit garçon d'environ 6 ou 7 ans. He's going to take him on his first deer hunt. Il allait l'emmener chasser le cerf pour la première fois. So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, "I'm getting tired." Alors, ils sont montés haut sur la montagne, et le petit garçon a dit à son papa, "Je suis fatigué." Get on my back. We're not high enough up yet. The deers are high. Monte sur mon dos. Nous ne sommes pas encore assez haut. Les cerfs sont dans les hauteurs. On went the man. Till he got, he didn't know he was a city man. Et l'homme a continué jusqu'à ce qu'il ne savait pas, c'était un homme de la ville. He didn't know nothing about how to hunt or where to go. Il ne savait pas du tout comment chasser ni où aller. Any man that knows anything about wilderness knows the deer don't stay up high. N'importe quel homme qui connaît un tant soit peu les régions sauvages sait que les cerfs ne restent pas dans les hauteurs. Ils ne vont pas là-haut. Ce sont les chèvres qui restent là-haut, pas les cerfs. Eux sont en bas, où ils peuvent se nourrir. Il faut qu'ils restent où il y a à manger. Et donc, mais cet homme-là, il se disait, « Si je monte très haut, dans les rochers, quelque part là-haut, je vais trouver un grand mâle. » Il en avait vu en photo se tenant sur un rocher, et il pensait que c'est là qu'il en trouverait. Ne prêtez aucune attention à ce qui est dit dans ces magazines. Oh là là, là là, vous aurez un cauchemar. There's only one thing to do is take a guide, or you know where you're at. Ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de vous faire accompagner par un guide pour savoir où vous êtes. And that father come up a rain all at once up there, one of the quick rains that comes. Et ce père, tout à coup la pluie s'est mise à tomber là-haut, une de ces averses qui arrivent brusquement. And the man hunted too late till it got dark and he couldn't find his way back. Et cet homme était resté à chasser trop tard, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Et il n'arrivait plus à retrouver son chemin. Ensuite, le vent s'est levé sur le sommet des montagnes. Et lui, il marchait vite. Et c'est... Il faut savoir rester en vie si vous vous retrouvez coincé là-bas. There's another thing, know how to survive. Voilà une autre chose, savoir rester en vie. I've climbed up trees and slid down and climbed up trees and slid down up and down like this to keep alive. J'ai grimpé à des arbres et glissé jusqu'en bas, grimpé à des arbres, glissé jusqu'en bas, monté et descendu comme ça pour rester en vie. I've tucked snow when it would be 4 foot on each side, bust the stump and lay it down. J'ai pris de la neige quand il y en avait 4 pieds de haut de chaque côté. Je cassais une souche et je la couchais par terre. Et j'étais tellement affamé que c'était presque insupportable. Je cassais ces vieilles souches, je les allumais, et la chaleur faisait fondre la neige. Ensuite, vers 1 heure ou 2 du matin, j'écartais les souches et je m'étendais sur le sol chaud pour rester en vie. You have to know how to do these things. Vous devez savoir faire ces choses. And this man didn't know what he was doing. He had nobody with him to direct him. Cet homme-là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait personne avec lui pour le diriger. And he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die. Et il a tenu son propre petit garçon contre sa poitrine jusqu'à ce qu'il le sente se refroidir et mourir. Unthoughtful. Imprudent. Si seulement il s'était fait accompagner par un guide, celui-ci l'aurait tout de suite ramené de la montagne, quelle qu'ait été l'heure, voyez-vous. But he waited till it gets dark.
Then he couldn't see his way around. Mais il a attendu qu'il fasse nuit. À ce moment-là, il ne pouvait pas voir où il allait. That's the trouble with Christians today. C'est le problème avec les chrétiens aujourd'hui. They wait till the darkness settles over. Then you find out that you've left without the guide. Ils attendent que l'obscurité s'installe. Et là, on se rend compte qu'on est parti sans le guide. The guide. Le guide. Well, did you ever see a man that was lost? Eh bien, avez-vous déjà vu un homme qui s'était égaré? Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu l'expérience de ramener un homme égaré? It's the most pitiful thing you've ever seen. Il n'y a rien qui fasse plus pitié à voir. When a man gets lost, he goes wild. He don't know what he's doing. Quand un homme s'égare, il devient comme fou. Il ne sait plus ce qu'il fait. We caught a man out there, a boy, and he'd been lost in the woods, and he was thought he was a rancher, but he's in the wrong territory, and he got lost. Turned around. Nous avons retrouvé un homme là-bas, un jeune homme. Il s'était égaré dans les bois, et il était ouvrier de ranch, mais il n'était pas dans son territoire, et il s'est égaré. Il a perdu son chemin. And when they found him 3 days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice. Et 3 jours plus tard, quand ils l'ont retrouvé, il courait comme un possédé. Il criait à tue-tête. His lips was all eat up, and he threw his gun away, and he didn't know what to do. Il avait les lèvres toutes fondues. Il avait jeté son fusil et ne savait plus quoi faire. And when his own brother, when they had to catch him and tie him. Et quand son propre frère, quand ils ont été obligés de l'attraper et de le ligoter. When his own brother comes to him, he fought at him like an animal. Tried to bite him. He didn't know where he was at. Quand son propre frère est venu vers lui, il lui a sauté dessus comme un animal. Il cherchait à le mordre. Il était hors de lui. Why? He was lost. Pourquoi? Il était égaré. When a man's lost, he's in a state of bewildered. Et quand un homme est égaré, il est dans un état d'ahurissement. And he don't know that he's in that state because his being lost sends his fever upon him, then he doesn't know where he's at and how he's acting. Et il ne sait pas qu'il est dans cet état-là, parce que le fait d'être égaré lui donne la fièvre. Il ne sait plus où il est et n'est pas conscient de son comportement. So is it when a man's lost from God. Il en est de même quand un homme est égaré, loin de Dieu. He'll do things that he ordinarily wouldn't do. Il fera des choses qu'il ne ferait pas normalement. He'll do things that it's beyond the thoughts of a human being doing. Il fera des choses qu'il est impensable qu'un être humain puisse faire. A lost man from God, a lost church from God. Un homme égaré, loin de Dieu. Une église égarée, loin de Dieu. A church that's gone away from God, got away from the principles of God's Bible, will do things that sometimes that you wouldn't expect to find in a church of the living God. Une église qui s'est éloignée de Dieu, qui s'est éloigné des principes de la Bible de Dieu, fera des choses parfois qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une église du Dieu vivant. They'll get their money by bunco games, playing lottery, gambling, anything that they can do. Ils se procureront de l'argent en faisant des parties de loto, en faisant des loteries, en jouant à des jeux d'argent, tout ce qu'ils peuvent se permettre. They'll teach anything, let anything get by. Pat man on the back who's big payers in the church and so forth like that to let him get by with it. Right. Ils enseigneront n'importe quoi. Ils laisseront passer n'importe quoi. Les hommes qui donnent beaucoup d'argent à l'église, ils leur passeront la main dans le dos et ainsi de suite, comme ça. Les laisseront s'en tirer comme ça. C'est exact. Put deacons on the board, been married 4 or 5 times. Just in order to get by with it. To make ends meet. Admettre sur le conseil des diacres des hommes qui se sont mariés 3 ou 4 fois juste pour pouvoir se débrouiller côté financier, joindre les deux bouts. There's only one end you've got to meet, that's your obligation to God. Il n'y a qu'un bout que vous devez joindre, c'est votre obligation envers Dieu. Stand and tell the truth. Tenez-vous là et dites la vérité. Lost man is in a bewildered state. He's a madman. Égaré. Un homme qui est égaré est dans un état d'ahurissement. Il est comme fou. The guide has understanding how to go and what to do. Le guide a l'intelligence des choses. Il sait comment procéder et ce qu'il faut faire. God has always sent a guide to his people. Dieu a toujours envoyé un guide à son peuple. God has never failed.
Dieu n'a jamais manqué de le faire. He sends a guide, but you've got to accept that guide. Il envoie un guide, mais vous devez accepter ce guide. You've got to believe it. Voyez, vous devez le croire. You've got to go the way he says. Vous devez prendre la direction qu'il vous dicte. If you get into a wilderness and your guide says we go this way and yet you think you go that way, you're going to come up lost. Si vous allez dans une région sauvage et que votre guide dit « Nous prendrons cette direction-ci », mais vous, vous pensez que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, vous allez vous égarer. Alors, quand vous, Dieu nous envoie un guide pour nous guider, nous devons suivre ce guide. No matter what we think, what looks reasonable and what looks ridiculous, we are not subject to divide that. The guide is the only one. Peu importe ce que nous pensons, ce qui semble raisonnable et ce qui semble ridicule, nous ne sommes pas à même d'en juger. Ça, c'est l'affaire du guide et de lui seul. God in the Old Testament sent prophets. They were guides. Dieu, dans l'Ancien Testament, il a envoyé des prophètes. C'était des guides. Because the word of the Lord came to the prophets. Puisque la parole du Seigneur est venue aux prophètes. They were guides. C'était des guides. They instructed the people, as we had last night, of Isaiah and Uzziah. Ils donnaient des directives aux gens, comme nous le disions hier soir en parlant d'Ésaïe et d'Ozias. They were instructed, and they instructed the people and guided them. Ils recevaient des directives, et ils donnaient des directives aux gens, et ils les guidaient. And now God has always sent his guides. He's always never been without a guide. Et donc, Dieu a toujours envoyé ses guides, toujours. Il n'y a jamais eu un temps où il n'a pas eu de guide. All through the ages, God's always had somebody that represented him on this earth. In all ages. Tout au long des âges, Dieu a toujours eu quelqu'un qui le représentait sur cette terre, dans tous les âges. Or, parfois les gens s'éloignent du guide. Ils déraillent, comme on dit. Quand Jésus était ici sur terre, vous vous en souvenez, n'est-ce pas, que Jésus a dit aux pharisiens, « Vous, guides aveugles !» Des guides aveugles, aveugles aux choses spirituelles. Voyez. Now they were supposed to be guides. Guides to the people. Guiding the people to salvation. Or, ils étaient censés être des guides. Des guides pour les gens. Guidant les gens vers le salut. But Jesus said, you're blind. Mais Jésus a dit, vous êtes aveugles. And he said, let them alone. For if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch? Et il a dit, laissez-les, car si un aveugle conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Blind guides. Des guides aveugles. Oh, how the world has been contaminated with that. Blind guiding. Oh, combien le monde a été contaminé par cela. La conduite d'aveugles. He doesn't want you to rely on your own understanding. Il ne veut pas que vous vous reposiez sur votre propre intelligence. God does not want you to rely on your understanding or your thoughts or any man-made thoughts. Dieu ne veut pas que vous vous reposiez sur votre intelligence, ni sur vos idées, ni sur aucune idée d'homme. God sends a guide and God wants you to remember that that's his appointed guide. Dieu envoie un guide et Dieu veut que vous vous souveniez que c'est là le guide qu'il a désigné. And we must remember him. Et nous devons nous souvenir de lui. Here it says, Jesus said, I will not leave you, but I'll pray the Father and he'll send you another comforter. Il est dit ici, Jésus a dit, je ne vous délaisserai pas, mais je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. And this comforter, when he was to come, was to guide us to all truth. Et ce consolateur, quand il viendrait, il nous guiderait dans toute la vérité. And the Word of God is the truth. Et la parole de Dieu est la vérité. And the word is Christ. Et la parole est Christ. I am the way, the truth, and the life. Je suis le chemin, la vérité et la vie. He is the word. Il est la parole. In the beginning
He was the Word is with God. The Word was God. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. And the Word was made flesh and dwelt among us. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Then if we follow the real true God, the Holy Spirit. Alors, si nous suivons le vrai, le véritable guide, le Saint-Esprit, he was to tell us what he had seen, what he had heard, and he was to show us things that is to come. Il devait nous dire ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, et il devait nous montrer les choses à venir. Amen. There you are. Amen. Voilà. He is going to show you things to come. Il vous montrera les choses à venir. And when the churches today reject that, how can we ever expect to go to heaven? Et alors que les églises d'aujourd'hui rejettent cela, comment pouvons-nous nous attendre à jamais aller au ciel? When the Holy Spirit was sent to us for a guide. Alors que le Saint-Esprit nous a été envoyé comme guide. We'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us, when the Holy Spirit was given to us to guide us. Nous allons accepter un cardinal, un évêque, un surveillant général, ou quelqu'un comme ça pour nous guider, alors que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous guider. And the Holy Spirit always speaks of the Word. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. I've got many things to tell you. You cannot understand it now, but when he comes, he'll guide you to it. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais quand il sera venu, il vous guidera vers elles. That's the reason the coming of the seal. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. At the finishing of the seventh seal, the mystery of God should be finished. Amen. À la fin du septième sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. To know who God is. What he is, how he lives, his nature, his being. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. You're supposed to be all the way up here by that time. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut, ici, voyez-vous. Bring us into the full stature of sons and daughters of God. Nous amener à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. A church that's washed in the blood of Christ. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ. It's bought without money. It's paid for by the blood of Jesus Christ. Qui a été achetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Now, here we are, a guide, and he is God's provided guide. Alors, nous y voilà, un guide. Et il est le guide auquel Dieu a pourvu. Now we're going through a wilderness. And we're on a road somewhere. And we can't get along without this guide. Or, nous traversons une région sauvage. Nous sommes en route vers quelque part. Et nous ne pouvons pas nous débrouiller sans ce guide. And dare anybody to try to substitute any other guide. Que personne ne s'avise d'essayer d'y substituer un autre guide. If you do, he'll take you off the line. Si vous le faites, celui-là vous sortira des rangs. This guide knows the way. Ce guide-ci, il connaît le chemin. He knows every inch of the way. Il connaît chaque pouce du chemin. He knows every thought that's in your heart. Il connaît chaque pensée qu'il y a dans votre cœur. He knows everybody's here. Il connaît tout le monde qui est ici. He knows who you are and what you've done and all about you. Il sait qui vous êtes et ce que vous avez fait et tout à votre sujet. The Holy Spirit. Il est le guide de Dieu, le Saint-Esprit. And will reveal things to you. And will tell things that he's heard. Can repeat your words right back and say what you said. Amen. Et il vous révélera des choses et il dira les choses qu'il aura entendues. Il peut répéter vos propres paroles, dire ce que vous avez dit. Amen. Tell you what you've been, what you've got, where you're going. Vous dire ce que vous avez été. Ce que vous avez, où vous allez. A guide, the correct guide. Un guide, le guide adéquat. And he will guide you to all truth and his word is the truth. Il vous guidera dans toute la vérité et sa parole est la vérité. Now the Holy Spirit will never make say amen to some kind of a man-made creed. Or le Saint-Esprit ne dira jamais amen à une espèce de credo d'homme. It'll
only punctuate the word of God with amen. Because it's so. Il ponctuera uniquement la parole de Dieu d'un amen, parce qu'elle est vraie. The Holy Spirit will not lead you any other way. Le Saint-Esprit ne vous conduira dans aucune autre direction. Now the strange thing is that we all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of us. Or, ce qui est bizarre, c'est que nous tous, toutes nos grandes dénominations et tout, nous prétendons tous être conduits par le Saint-Esprit. Et il y a autant de différence entre nous qu'entre le jour et la nuit. But when Paul, that little Pharisee, that received the Holy Spirit, when Ananias baptized him. Mais quand Paul, ce petit pharisien qui a reçu le Saint-Esprit, quand Ananias l'a baptisé, and he went into Arabia and studied for 3 years, come back and never consulted the church about anything for 14 years. Il est allé en Arabie et il a passé 3 ans là-bas à étudier. Il est revenu, il n'a jamais consulté l'église à propos de quoi que ce soit pendant 14 ans. And when he came and met Peter, the head of the church at Jerusalem, they were eye to eye in doctrine. Et quand il est allé rencontrer Pierre, le chef de l'église de Jérusalem, ils avaient exactement la même doctrine. Why? The same Holy Spirit. Pourquoi? Le même Saint-Esprit. Well, Peter baptized in the name of Jesus Christ, Paul did the same. Alors que Pierre baptisait au nom de Jésus-Christ, Paul a fait de même, sans que personne le lui ait dit. Well, Peter taught the baptism of the Holy Ghost and sanctification and so forth. Paul did the same thing without consulting the church because it was the same God. Alors que Pierre enseignait le baptême du Saint-Esprit et la sanctification et tout, Paul a fait de même sans avoir consulté l'Église, parce que c'était le même guide. And how can we be today when people deny these truths? Alors, comment cela pourrait-il être le cas pour nous aujourd'hui, alors que les gens nient ces vérités? When Peter talked what he did about the way the church was simply put in order, Paul had the same doctrine. Because he had the same God. Quand Pierre a donné son enseignement sur la façon dont l'Église devait être mise en ordre, Paul avait la même doctrine, parce qu'ils avaient le même guide. The God isn't going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west. Le guide ne va pas en emmener un dans cette direction-ci et un dans cette direction-là, et en envoyer un à l'est et l'autre à l'ouest. He's going to keep you together. Il va vous garder ensemble. And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. Et si nous laissons simplement le Saint-Esprit nous garder ensemble, nous serons un. If we just don't let the devil pull you off on the wrong road, we'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth. Si nous ne laissons pas le diable nous entraîner sur la mauvaise route, nous serons d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un même accord, par un seul esprit, le Saint-Esprit, le guide de Dieu qui nous guidera dans toute la vérité. C'est exact. But you got to follow your guide. Yes, sir. Mais vous devez suivre votre guide. Oui, monsieur. Look at Nicodemus. He needed a guide, yet he was a smart man. Regardez Nicodème. Il avait besoin d'un guide. Pourtant, c'était un homme intelligent. He was a teacher, about 80 years old. C'était un docteur d'environ 80 ans. He was at the Pharisees or the Sanhedrin courts, the council, ministerial association. Il faisait partie des pharisiens ou des tribunaux du Sanhédrin, du conseil, de l'association pastorale. He's one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it. C'était un de leurs hommes les plus importants. Un docteur d'Israël, un maître en la matière. Pensez-y, passer maître dans l'art de l'enseignement. Yes, he knows the laws. But when it came to being born again, he needed a guide. Oui, il connaissait les lois, mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. He was hungry for it. Il avait faim de cela. He knows there's had to be something different. Il savait qu'il devait forcément y avoir autre chose. Ce qu'il a exprimé à Christ cette nuit-là l'a démontré. Ce qui a été démontré aussi, c'est ce que les autres en pensaient. Mais aucun d'eux n'a eu le cran que lui, il a eu. There was none of them that could come
come up there and do what he did. Aucun d'eux n'aurait pu aller là et faire ce que lui, il a fait. You know what people condemn Nicodemus for coming by night. He got there. He arrived. Vous savez, les gens condamnent Nicodème parce qu'il est venu de nuit. Il y est parvenu. Il y est arrivé. I know some people won't even start. They are night. Je connais des gens qui ne veulent même pas prendre le départ, le jour comme la nuit. But he got there, and he needed a guide. Mais lui, il y est arrivé, et il avait besoin d'un guide. And he said, Master, we, from the Sanhedrin court, we know that your teacher come from God. Il a dit, Maître, nous, du tribunal du Sanhédrin, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu. Why did he know it? Comment le savait-il? He was a vindicator. Il était confirmé. Voyez-vous, il voulait savoir ce qu'il en était de la nouvelle naissance. Il est donc allé directement à celui qu'il fallait, parce que Dieu avait confirmé que celui-ci était son guide, Jésus. Donc, il dit, Master, we know that our teacher comes from God, because no man can do the things that you do, lest God be with you. Regardez ce qu'il a dit. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. It was a vindication there, that there was a living God inside of him. C'était là une confirmation, comme quoi il y avait en lui un Dieu vivant. What he testified, not me that do it the worst. It's my Father that dwelleth in me. Il en avait témoigné. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Verily I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils aussi le fait pareillement. The Father worketh and I worketh hitherto. Le Père agit, et moi aussi j'agis jusqu'à maintenant. In other words, God showed him what to do, and he went and just acted it out. Autrement dit, Dieu lui montrait quoi faire, et il allait tout simplement reproduire les gestes. He didn't do anything until God told him to do it. Amen. Il ne faisait rien tant que Dieu ne lui avait pas dit de le faire. Amen. That's the real, frank facts of it. Ça, ce sont vraiment les faits, tels quels. If we just move and wait till the Spirit moved us to do it. That's it. Si seulement nous agissions et attendions que le Saint-Esprit nous pousse à agir, c'est ça. Et puis, que nous soyons tellement absorbés en Christ qu'il n'ait pas à vous pousser pour vous faire bouger comme il doit le faire pour moi. But the first little nod of his head, you're ready, and nothing's going to stop you. Because you know that it's the will of God. Mais qu'au premier signe de tête, vous soyez prêts. Et que rien ne vous arrête, parce que vous savez que c'est la volonté de Dieu. He needed a guide. Il avait besoin d'un guide. He was a vindicated guide. Et celui-ci était un guide confirmé. Il pouvait être conduit par ce guide, parce qu'il savait que ce guide était inspiré par Dieu. Il savait que les traditions qu'il avait servies, peut-être par les pharisiens, les sadducéens et whatever more. Il savait que ces traditions auxquelles il avait été assujetti, peut-être par les pharisiens, les sadducéens et quoi encore. Il avait été assujetti à ces credos depuis toujours et il n'avait rien vu se produire. Mais voilà un homme qui arrive. Il déclare être un Messie promis par la Bible. Then he turns around and does the very works of God. Et le voilà qui fait les œuvres même de Dieu. Jésus a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. » Mais si vous ne pouvez me croire, croyez aux œuvres que je fais, car elles rendent témoignage de moi. Alors, ce n'est pas étonnant que Nicodème ait pu dire, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Voyez-vous, il avait besoin d'un guide, bien qu'il ait été un maître en la matière.
Il était un maître de son Église. He had dignity. And he had proper places. And he was a great man. Il était revêtu d'une dignité et il occupait des positions importantes. C'était un grand homme. No doubt respect from all the people to the country. Sans doute qu'il était respecté de tous, d'un bout à l'autre du pays. But when it comes to being born again, he needed a guide. Mais pour naître de nouveau, il avait besoin d'un guide. So do we. We needed a guide. Nous aussi, nous en avons besoin. Oui, nous avions besoin d'un guide. Cornelius, he was a great man, an honorable man. Corneille, c'était un grand homme, un homme respectable. He built churches. Il bâtissait des églises. He respected the Jews because he knew that their religion was right. Il respectait les Juifs parce qu'il savait que leur religion était la bonne. And he paid alms. And he prayed every day. Et il faisait l'aumône et il priait tous les jours. But when the Holy Ghost comes, something has been added to the church. He needed a guide. Mais quand le Saint-Esprit est venu, quelque chose avait été ajouté à l'Église. Il a eu besoin d'un guide. God sent him the Holy Ghost. Dieu lui a envoyé le Saint-Esprit. He sent him in the person of Peter. Il l'a envoyé dans la personne de Pierre. For while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him. Mais comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur eux. God used the guide to Peter. Dieu a utilisé le guide à travers Pierre. Il l'a utilisé puisqu'il a guidé Corneille vers le bon chemin. Et comme il parlait encore, le Saint-Esprit est descendu sur ces gens des nations. Then he said, can a man forbid water that these should not be baptized? Alors il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ces gens? See, still the guide speaking. Not Peter. Voyez-vous, c'était encore le guide qui parlait, et non Pierre. Because as a bunch of Jews, or Gentiles, unclean, dirty to him. En effet, c'était un groupe de Juifs ou de gens des nations impurs, souillés selon lui. And he didn't even want to go, but the guide said, I'm sending you. Alors, il ne voulait même pas y aller, mais le guide a dit, je t'envoie. You do things that you don't think you would do. When the guide gets completely controlled. When you let him guide you. Vous faites des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Quand le guide vous est entièrement sous son contrôle. Quand vous le laissez vous guider. Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit. Oh, comme c'est merveilleux d'être conduit par le Saint-Esprit. He is the guide. C'est lui le guide. All right. Bien. He spoke to Peter and told him what he must do. Il a parlé à Pierre et lui a dit ce qu'il devait faire. Then when they all received the Holy Ghost, he said, we can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning. Ensuite, quand ils ont tous reçu le Saint-Esprit, il a dit, nous ne pouvons refuser l'eau étant donné que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous au commencement. And they baptized them in the name of the Lord Jesus. Et ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Now, who led him to do that? Or, qui l'a conduit à faire ça? The guide that was in him. Le guide qui était en lui. Didn't Jesus tell him, take no thought what you're going to say? Jésus ne leur avait-il pas dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz? Because it's not you that's speaking, it's the Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Amen. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est le Père qui demeure en vous, c'est lui qui parlera. Amen. The eunuch coming down from Jerusalem. L'eunuque qui revenait de Jérusalem. Dieu avait un guide dans le monde à ce moment-là, le Saint-Esprit. Et il avait un homme là-bas qui était rempli de ce guide. Il n'était même pas prédicateur, il était un peu comme un diacre. And he was down there healing the sick and casting out devils and causing a big stir. Great joy was in the city. Il était là-bas, il guérissait les malades, il chassait les démons et il causait beaucoup d'émoi. Il y avait une grande joie dans la ville. He had hundreds of people gathered around him. Des centaines de gens s'étaient rassemblés autour de lui. And the guide said, "It's far enough. Let's go back this way." Et le guide a dit, "N'allons pas plus loin. Allons de cet autre côté." He didn't dispute with his guide. Il n'a pas contesté avec son guide. Don't never dispute your guide's word.
Ne contestez jamais la parole de votre guide. Suivez-le. Sinon, vous allez vous égarer. Et souvenez-vous, quand vous le quittez, vous vous retrouvez fin seul. Donc, nous voulons rester près du guide. Alors, en cours de route, il a dit, « Quitte maintenant ce groupe, Philippe, et va-t'en dans le désert où il n'y a personne. » Mais je t'envoie là-bas, et il y aura quelqu'un là-bas quand je t'y aurai emmené. Et voilà un eunuque solitaire qui arrive. C'était un homme important au service de la reine, là-bas en Éthiopie. Donc, il passait par là en lisant le livre d'Ésaïe. Et le guide a dit, « Approche-toi du char. » Et il a dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il a dit, « Comment pourrais-je comprendre? Il n'y a personne pour me guider. » Oh là là! Mais Philippe, il avait le guide. Amen. Et il a commencé par ce passage et lui a annoncé la bonne nouvelle de Christ. Amen. Le guide. Il ne lui a pas parlé d'un credo, il lui a parlé du guide. Christ. And he baptized him out there in some water. Et il l'a baptisé dans l'eau là-bas. Sure it was. Assurément. Oh, how I like that. Oh, j'aime vraiment ça. When Israel left Egypt for the promised land in Exodus 13:21. Quand Israël a quitté l'Égypte pour aller dans le pays promis, dans Exode 13:21. God knew that they had never traveled that way before. Dieu savait qu'il n'avait jamais fait ce trajet auparavant. Un trajet de seulement 40 milles, mais ils avaient quand même besoin que quelque chose les accompagne. Ils se seraient égarés. So God sent them a guide. Alors, Dieu leur a envoyé un guide. Exode 13:21. Quelque chose comme ceci. J'envoie mon ange devant vous, la colonne de feu, pour vous garder dans le chemin, pour les guider jusque dans ce pays promis. And the children of Israel followed that guide, the pillar of fire, night, cloud by day. Et les enfants d'Israël suivaient ce guide, la colonne de feu la nuit, la nuée pendant le jour. When it stopped, they stopped. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait. When it journeyed, they journeyed. Quand elle faisait route, il faisait route. And when he got them close to the land and it wasn't fit to go over, he led them back into the wilderness again. Et quand il les a eu emmenés près du pays et qu'ils n'étaient pas dignes d'y entrer, il les a conduits dans le désert de nouveau. He wouldn't go with them. Il ne voulait pas y entrer avec eux. That's what is the church today. C'est ce qui se passe pour l'Église aujourd'hui. C'est sans doute la patience de Dieu aujourd'hui, comme à l'époque de Noé. L'Église serait déjà partie si elle s'était tout simplement redressée et mise en ordre. Mais il est obligé de nous entraîner ici et là, ici et là, ici et là. When they were shouting on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down, they got the victory. Israël était bien loin de s'en douter quand ils poussaient des cris en voyant les soldats morts de l'Égypte, les chevaux noyés, les chars de Pharaon renversés. Ils avaient remporté la victoire. Moses in the spirit, singing in the spirit. Miriam dancing in the spirit. Moïse était dans l'esprit. Il chantait dans l'esprit. Marie dansait dans l'esprit. And the daughters of Israel running up and down the bank, shouting and dancing. They were only a few days from milk and honey. Et les filles d'Israël couraient de long en large sur la côte, en poussant des cris et en dansant. Ils n'étaient qu'à une distance de quelques jours du lait et du miel.
years away. Because they began to grumble against God and the guide. Ils étaient bien loin de se douter que, parce qu'ils se sont mis à rouspéter contre Dieu et contre le guide, ils en auraient encore pour 40 ans. And we find ourselves the same way. Et nous nous retrouvons dans le même état. I go to Shreveport after here. En partant d'ici, je vais à Shreveport. And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day 50 years ago in Louisiana. On Thanksgiving Day. Le Saint-Esprit est descendu il y a 50 ans, au jour d'Action de Grâce, en Louisiane, au jour d'Action de Grâce. How the church has failed since that time. Comme l'Église a perdu du terrain depuis le temps. Do you realize that the Roman Catholic Church at its beginning was a Pentecostal church? Vous rendez-vous compte que l'Église catholique romaine, à ses débuts, c'était l'Église pentecôtiste? That's the truth. That's right. C'est la vérité, c'est exact. It was a Pentecostal church. C'était une église pentecôtiste. But the starchy dignitaries began to get in and change the scriptures of God to their traditions. Mais les dignitaires formalistes se sont introduits et ont changé les écritures de Dieu en traditions qu'ils ont instituées. Add to it dogmas. And so forth. Ils y ont ajouté des dogmes et tout. Et regardez ce qu'ils ont maintenant. Pas la moindre trace de l'Écriture nulle part. Ils ont substitué une chose à une autre. Un morceau de pain au Saint-Esprit. Immersing. Ils ont substitué l'aspersion à l'immersion. They substituted Father, Son, and Holy Ghost for the Lord Jesus Christ. Ils ont substitué le Père, le Fils et le Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ. They substituted all these great articles of God that was laid down to us and they're far, far away. Way away from the scriptural doctrine. Ils ont substitué tous ces grands oracles de Dieu qui nous avaient été prescrits. Ils sont loin, bien loin, très loin de la doctrine biblique. And Pentecost fell in Louisiana 50 years ago. La Pentecôte est descendue en Louisiane il y a 50 ans. And if it stands another 200 years, it'll be farther away than the Catholic Church is. Et si ce mouvement demeure encore 200 ans, il sera plus éloigné que l'Église catholique. If it keeps falling the way it has these past 50 years, because they're just adding to it all the time, constantly. S'il continue à perdre du terrain comme il l'a fait au cours de ces 50 dernières années, parce qu'il continue à ajouter tout le temps, constamment. The old-fashioned preachers is gone. Les prédicateurs à l'ancienne mode, c'est terminé. The street meetings you never hear of one. Les réunions dans la rue, on n'en entend plus du tout parler. All the thing we got's a bunch of Hollywood added to it. Tout ce qu'on retrouve, c'est un tas de choses de Hollywood qui se sont ajoutées. Bob-haired women wearing shorts painted up and everything else calling themselves Christians. Des femmes aux cheveux coupés courts qui portent des shorts, maquillées et tout le reste, et qui se disent chrétiennes. Some little Ricky with a guitar running down the place and woman with a dress on so tight like a skin wiener with a... Une espèce de petit Ricky avec sa guitare qui court partout. Et les femmes avec la robe tellement serrée, c'est comme... Ça ressemble à une saucisse de Francfort épluchée avec la peau par-dessus presque. Elle se trémousse sur l'estrade, elle court partout sur l'estrade en dansant, avec des pendants aux oreilles. Lady of the land haircuts, then call itself Christian. Et une de ces nouvelles coupes de cheveux, style femme du président, et ensuite appeler ça du christianisme. What we need is an old-fashioned, God-sent scolding religion that will scold that woman that's out of the church. Ce qu'il nous faut, c'est une religion à l'ancienne mode, envoyée de Dieu, qui brûlera, qui exterminera en la brûlant. Toute cette mondanité de l'Église. Il nous faut revenir au Saint-Esprit et au feu, revenir à ce qui ôte toutes les impuretés en les brûlant. À ce qui ramène la prédication à l'ancienne mode, faire du ciel quelque chose de haut et de l'enfer quelque chose de chaud. Droit comme un canon de fusil.
kind of preaching. C'est ce genre de prédication-là qu'il nous faut. Mais faites ça aujourd'hui et votre assemblée va voter votre renvoi. Il arrive que de bons prédicateurs soient détournés du droit chemin par leur assemblée. C'est pour cette raison que je ne fais partie d'aucune dénomination. Je n'ai qu'un quartier général et il est au ciel. Partout où il m'enverra, j'irai. Tout ce qu'il dit, je le dis. Nous ne voulons pas d'une dénomination. Si jamais cette église parle de dénomination, vous venez de perdre votre pasteur. Je ne traînerai pas là-dedans, pas même 5 minutes. Toutes les églises qui se sont formées en dénomination se sont dégradées. Nommez-moi une seule dont ce ne serait pas le cas. Et nommez-moi une seule qui se soit jamais relevée. C'est le Saint-Esprit qui est envoyé pour conduire l'Église, et non un groupe d'hommes. Le Saint-Esprit est infiniment sage. Les hommes deviennent formalistes, indifférents. Dieu leur a dit qu'il leur enverrait un guide, qu'il les conduirait sur le chemin. Et tant qu'ils suivaient cette colonne de feu, tout allait bien. Il les a conduits jusqu'à la porte du pays promis. Et là, ils ne devaient pas aller plus loin. And Joshua, that great warrior. Ensuite, Josué, le vaillant combattant. Remember the day that he told him, sanctify yourself? The third day God's going to open up Jordan down here and we're going across. Vous rappelez-vous le jour où il leur a dit, sanctifiez-vous, dans 3 jours Dieu ouvrira le Jourdain ici et nous traverserons. Watch what he said. I like this in the scripture. Maintenant, regardez bien ce qu'il a dit. J'aime ça dans l'écriture. He said, stay close behind the ark. Or you've not passed this way before. Il a dit, restez tout près, derrière l'arche, car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. What was the ark? The word. L'arche, qu'est-ce que c'était? La parole. Don't travel your denominational routes now. Stay right behind the word, because you haven't passed this way before. Ne suivez pas les voies de votre dénomination. Maintenant, restez derrière la parole, parce que vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Et frère, si jamais il y a eu un temps où l'Église chrétienne devrait s'examiner, c'est bien maintenant. Nous sommes en plein au moment où cette grande réunion a lieu à Rome, maintenant même. Des distinctions sont en train d'être faites. La confédération des églises, alors que toutes ces dénominations se réunissent dans une confédération pour former l'image de la bête, exactement telle que le dit la Bible. Et vous savez ce que nous avons dit ce matin dans les messages. Et nous y voilà, tout est là. C'est tout près, à la porte, et les gens qui continuent à suivre des credos. Vous faites mieux de rester derrière la parole. La parole vous conduira de l'autre côté, parce que la parole est Christ, et Christ est Dieu, et Dieu est le Saint-Esprit. Restez derrière la parole. Oh oui, monsieur. Stay with that guide. Restez avec ce guide. Stay right behind it. Restez juste derrière lui. Don't get in front of it. You stay behind it. Ne le devancez pas. Restez derrière lui. Let it lead you. Don't you lead it. Laissez-le vous conduire. Que ce ne soit pas vous qui le conduisiez. You let it go. Laissez-le faire. Joshua said, now you've never passed this way before. You know nothing about the road. Josué a dit, maintenant, vous n'avez encore jamais passé par ce chemin. Vous ne connaissez rien de cette route. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'un guide pour vous guider sur le chemin spacieux. Oh, vous en connaissez toutes les ruelles et tout le reste.
Le chemin du péché, vous le connaissez d'un bout à l'autre. Il n'y a pas, oh, ce n'est pas d'hier que vous êtes sur celui-là. Vous n'avez besoin de personne pour vous en parler. Vous en connaissez tous les raccourcis. C'est exact. Tous les péchés, vous connaissez tout là-dessus. Personne n'a à vous dire comment voler. Vous le savez, ça. Personne n'a à vous dire comment blasphémer. Vous le savez, ça. Personne n'a à vous dire comment faire des vilaines choses, parce que c'est affiché sur tous les arbres, partout. But remember, you people, that's Christians, you've crossed over. You're into another land. Mais souvenez-vous, vous qui êtes chrétiens, vous êtes passés de l'autre côté. Vous êtes dans un autre pays. You're born again. Vous êtes nés de nouveau. You're in the land, a heavenly land. Vous êtes dans le pays, un pays céleste. You're in the promised land. Vous êtes dans le pays promis. Vous pouvez regarder. Vous savez vous débrouiller ici. Oh, ça oui. You know how to stand on a certain hand of cards. Vous savez ce que quoi faire avec un certain jeu aux cartes. Vous connaissez les dés quand ils roulent, ce que ça veut dire, et tout ce qu'il y a dans le genre. Mais quand il s'agit de connaître la sainteté et la justice et la puissance de Dieu, et la façon dont le Saint-Esprit agit et ce qu'il fait, vous faites mieux de rester derrière la parole, le guide. You've never passed this way before. Voyez, vous n'avez encore jamais passé par ce chemin. Well, you say, I was a pretty smart man. I had 2 degrees in college. Eh bien, vous dites, j'étais un homme assez intelligent. J'ai eu 2 diplômes universitaires. You better forget it. Yes, sir. Vous faites mieux d'oublier ça. Oui, monsieur. I went to a seminary. J'ai fait mes études au séminaire. You better forget it. Vous faites mieux d'oublier ça, oui. You better stay behind the guide. Let him lead you. Vous faites mieux de rester derrière le guide. Laissez-le vous conduire. He knows the way you don't. Il connaît le chemin, pas vous. You haven't passed this way before. Vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Well, you say they have. Eh bien, vous dites, eux, oui. See if they have. Voyons voir s'ils l'ont fait. Jesus said those that pass this way, these signs will follow them. Jésus a dit, ceux qui auront passé par ce chemin, voici les signes qui les accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, qu'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, ils ne leur feront pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. La plupart d'entre eux refusent cela, le nient, déclarent que ce n'est même pas inspiré. Ils ne suivent pas le guide, ils suivent un credo d'homme. Vous faites mieux de rester derrière la parole, parce que vous n'avez pas passé par ce chemin, vous savez. Mais vous êtes né de nouveau et vous avez part à la sainteté par cette naissance. You've not passed this way before. Vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Vous avez pas. Si vous passez par ce chemin, vous devez y passer dans la sainteté. Because it's a new land, a new life, a new people. Parce que c'est un pays nouveau, une vie nouvelle, un peuple nouveau. You'll come to church and hear somebody raise up our glory to God, hallelujah. Vous viendrez à l'église et vous entendrez quelqu'un se lever et crier à tue-tête. Gloire à Dieu, alléluia. Mais vous direz, bonté, ça ne se faisait pas dans mon église, ça. Je vais me lever et sortir. Voyez, faites attention. Stay behind the word now. Let the guide lead you. Restez derrière la parole, là. Laissez le guide vous conduire. Il vous guidera dans toute la vérité et vous révélera ces choses dont je vous ai parlé. Il vous les montrera. Il vous annoncera les choses à venir.
le guide véritable. Don't go to the bishop, go to the guide. Ne consultez pas l'évêque, consultez le guide. Don't go to anyone but the guide. Ne consultez personne d'autre que le guide. He's the one that was sent to guide you. C'est lui qui a été envoyé pour vous guider. He's the one that'll do it. C'est lui qui le fera. God has provided you a guide. Dieu vous a pourvu d'un guide. Take God's provided way. Prenez le moyen pourvu par Dieu. The trouble of it is today that people come to the church and sit a few minutes. Something goes on if they're not used to. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils viennent à l'église. Ils s'y assoient pendant quelques instants et il se passe quelque chose dont ils n'ont pas l'habitude. J'ai admiré une petite dame qui vient d'une église froide, formaliste. Je viens de prier pour elle. Dieu va guérir cette petite femme. Elle ne comprenait pas ceci. Elle ne savait rien de toutes ces choses. Elle est venue, elle a dit, elle ne savait pas. Mais je lui avais dit, venez me voir. Elle était un peu timide et craintive, mais le guide lui répétait sans arrêt, avance. Elle y est arrivée, c'est ça. Voyez-vous, c'est grâce au Saint-Esprit qui nous guide vers ces choses. See, God has a provided way. Voyez-vous, Dieu a un moyen auquel il a pourvu. Est-ce que vous avez déjà... Avez-vous remarqué les oies sauvages qui passent au-dessus de nous? Les canards qui s'en vont au sud? Eh bien, souvenez-vous, là, ce petit canard est né sur un étang quelque part, là-haut. He don't know east, north, west, and south. Il ne distingue pas l'est, le nord, l'ouest et le sud. Tout ce qu'il connaît, c'est cet étang qu'il y a là-haut dans les montagnes du Canada. He never was off that pond, but he was born a leader. Il n'a jamais quitté cet étang. Mais dès sa naissance, il était un chef. That little drake was born to be a leader. Ce petit canard mâle, là, est né pour être un chef. À un moment donné, une nuit, il y a une grosse chute de neige sur le sommet des montagnes. What happens? That cold breeze comes down across the earth. Qu'est-ce qui arrive? Cette brise froide, elle descend là. I can imagine shivers and, Mammy, what does this mean? Je peux l'imaginer, tout frissonnant, il dit, « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» He never felt that cold weather before. Voyez-vous, il n'a encore jamais senti le froid. He begins to notice around. He begins to notice around the edge of the pond, it begins to freeze. Ice coming on the pond. Il commence à remarquer autour. Il commence à remarquer le tour de l'étang. Ça commence à geler. La glace se forme sur l'étang. He doesn't know, but all of a sudden, he was born to be a guide to that herd of ducks. Il ne sait pas, mais tout à coup, il est né pour être le guide de cette bande de canards. He'll jump right out in the middle of that pond when it strikes him. Il va s'élancer au milieu de l'étang au moment où cela le saisit. You call it what I want to. We call it inspiration. You can call it just instinct. Whatever it is. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Nous, on appelle ça l'inspiration. Ou vous pouvez appeler ça de l'instinct, tout simplement. Ce que ça peut être. Drive right out in the middle of that pond. Stick that little honker up in the air and go honk 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 honk, and every duck on the pond will come right to him. Il va pédaler vers le milieu de l'étang et avec son petit bec en l'air, il va se mettre à crier coin 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 coin, et tous les canards de l'étang vont venir directement à lui. Wow! They know their leader. Amen. Just the way he honks. Pourquoi? Ils reconnaissent leur chef. Rien qu'à son coin-coin. Si la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer au combat? Exact. Qui peut se préparer au combat si la trompette rend un son confus? Eh bien, si ce petit canard rend un coin-coin confus, qui va se préparer à l'envol? Ce petit canard-là, avec son petit bec en l'air, là, il va pousser son cri. Coin, 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 coin. Et tous les petits canards vont venir à lui. Honk, 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 honk. Here they are. Coin, 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 coin.
Les voilà qui s'amènent. Such a jubilee they'll have right there in the middle of that pond. Just turning over and over and over. Ils auront tout un jubilé au milieu de cet étang là, et tourner et tourner et tourner. After a while, he feels it moving on. He's got to leave. Au bout d'un moment, il sent quelque chose en lui qui agit. Il faut qu'il parte. He'll set his little wings down and fly off that pond. Get up in the air and turn around four or five times and go just as straight to Louisiana. Il va placer ses ailes et s'envoler de cet étang, monter dans les airs et décrire un cercle trois ou quatre fois. Il part en ligne aussi droite qu'il le peut vers la Louisiane. Tous les canards derrière lui. Coin, 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 le voici. Pourquoi? Il est un guide. Amen. Les canards reconnaissent leur guide. L'église, non. Oui, il sait quoi faire. Regardez ces vieilles oies qui viennent de tout là-bas en Alaska. Or, il y a toujours un vieux jar qui les conduit. Et ces oies doivent observer très attentivement ce jar. They have to know what the gander's talking about. Elles doivent savoir de quoi parle ce jar. Did you read that Look magazine here about four years ago, where an old gander one time didn't know what he was doing, and he led a bunch of geese all the way over to England. Right. Avez-vous lu ça dans le magazine Look il y a environ quatre ans? Il y avait un vieux jar, une fois, qui ne savait pas ce qu'il faisait, et il a conduit une bande d'oies jusqu'en Angleterre. C'est exact. On n'en avait jamais vu en Angleterre auparavant. Pourquoi? Elles n'avaient pas remarqué leur chef. Ce vieux jar ne savait pas où il allait. Et maintenant, elles sont là-bas, elles ne peuvent pas revenir. C'est ça qui se passe avec beaucoup de ces oies aujourd'hui. Elles se promènent encore en groupe. Ils disent, le magazine Look disait que ces oies se promènent en groupe. Elles volent partout au-dessus de l'Angleterre. Mais elles ne savent pas comment s'en retourner. C'est la même chose pour certaines oies que je connais. Vous vous regroupez, des grandes réunions de réveil, vous invitez un prédicateur de réveil à venir prêcher quelque temps, mais vous ne savez pas où vous allez. Vous vous promenez en rond, parce que vous avez une espèce de jar qui vous conduit dans une Java dénominationnelle, au lieu de vous ramener à la parole de Dieu, de vous ramener au baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, on se demande pourquoi on n'a pas de réveil de nos jours. You got to get that certain sound. Voyez, vous devez avoir ce son particulier. That sound is a gospel trumpet breathing out the gospel. Every word of God. Ce son, c'est la trompette de l'Évangile qui fait retentir l'Évangile, chaque parole de Dieu. Not creed, not denomination, but the Bible, the Holy Spirit. Pas un credo, pas une dénomination, mais la Bible, le Saint-Esprit. These signs shall follow them that believe. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez? There they go down the road. Et les voilà qui partent sur la route. One old gander one time he said, got a bunch killed. Trying to fly him through the darkness, didn't know where he's going himself. Un vieux jar, une fois, on raconte que toute une bande s'est tuée à cause de lui. Il les avait emmenés avec lui en essayant de voler dans l'obscurité. Il ne savait pas où il allait lui-même. And they all hit against the mountains out there, and some of them disintegrated. Burst it up. Et ils se sont tous heurtés contre les montagnes là-bas. Et quelques-uns ont volé en morceaux, se sont fracassés. Sure, they got to know their certain sound. C'est sûr, ils doivent reconnaître ce son qui leur est particulier. That little duck, if he's got the certain sound and everybody knows it, they have a little swarming jubilee and away they go to the south. Ce petit canard-là, s'il a ce son particulier et que tout le monde le sait, ils ont un petit jubilé quand ils se regroupent. Et les voilà qui partent vers le sud. Pourquoi descendent-ils là-bas? Là-bas, il ne fait pas froid. Or, si Dieu a donné au canard assez de bon sens pour savoir échapper au froid,
Combien devrait-il en donner à l'Église? Si le canard peut faire ça par instinct, qu'en est-il du Saint-Esprit dans l'Église? Il devrait nous conduire loin des vieilles formalités et des credos et tout, jusque dans un baptême glorieux et merveilleux du Saint-Esprit. C'est ce qui produit la vertu, la connaissance, la patience, la piété et le Saint-Esprit. C'est à cela que conduira le vrai guide, parce qu'il ne sortira de sa bouche rien d'autre que l'Évangile, que la parole de Dieu. Certainement, vous avez besoin d'un guide. Quand les mages, ils ne savaient rien de Dieu. Ils étaient des faiseurs de magie, des magiciens. Ils étaient là-bas, en Orient. Vous savez, la Bible dit, nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils étaient de l'ouest, ils ont regardé vers l'est et ont vu son étoile, ou ils ont regardé vers l'ouest, ils étaient en Orient. Nous étions en Orient et nous avons vu son étoile à l'ouest. Voyez, nous avons vu son étoile en Orient. Et voyez, ils étaient en Orient. Quand nous étions en Orient, nous avons vu l'étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Je peux m'imaginer voir ces hommes se préparer à partir. Je peux m'imaginer une des épouses qui dit, « Dis donc, tu as fait tous tes bagages, mais où est ta boussole ?» Il a dit, « Je ne vais pas me servir d'une boussole cette fois. » Elle a dit, « Comment feras-tu pour te rendre de l'autre côté des montagnes ?» Souvenez-vous, il fallait qu'ils franchissent le Tigre et qu'ils traversent les plaines. Bref, ils allaient faire un voyage de 2 ans à dos de chameau. Comment y arriveraient-ils? Elle a dit, eh bien, tu n'emportes même pas de boussole. Il a dit, non. Tu vas te rendre comment? Je vais me rendre par le moyen pourvu par Dieu. Cette étoile là-bas va me conduire vers ce roi. C'est ça. Nous avons vu son étoile en Orient et nous l'avons suivi jusqu'ici dans l'Ouest pour venir l'adorer. Où est-il? Ils ont suivi le moyen pourvu par Dieu. Ils ont été retardés pendant un petit moment par un tas de credos là-bas. Ils sont entrés à Jérusalem et ils se sont mis à monter et à descendre la rue. Ces gens avec leurs beaux vêtements. Et ils disaient, où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Eh bien, c'était la capitale, ça, c'était Jérusalem. Certainement que la grande église devrait être au courant. Où est-il? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Mais ils sont allés consulter le pasteur un tel et le souverain sacrificateur un tel. Aucun d'eux n'était au courant. Mais il est né celui qui est le roi des Juifs. Où est-il? Ils ne savaient pas. Par contre, il y avait un groupe de bergers là-bas, sur le versant d'une colline, qui jubilaient au possible, oui monsieur, parce qu'eux étaient venus en suivant le moyen pourvu par Dieu. Donc, ils sont restés là, et tout à coup, il a dit, « Je vais vous dire ce qu'on devrait faire.
On devrait réunir le conseil. Ils ont donc convoqué le conseil du Sanhédrin et ils se demandaient s'ils en avaient entendu parler. Non, nous n'en savions rien. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ne savent rien de ce guide, de ce Saint-Esprit qui guérit, qui remplit, qui sauve, qui va revenir. Le guide qui nous a annoncé toutes ces choses qui sont arrivées, et nous sommes en plein dedans. Celui qui discerne les pensées du cœur. Ils n'en savent rien. Ils appellent cela de la télépathie ou quelque chose. Ils ne savent pas quoi en dire. Donc, vous voyez ces mages, tant que, souvenez-vous, quand ils sont entrés à Jérusalem, l'étoile est disparue. Et tant que vous vous en remettrez au credo et aux hommes des dénominations pour qu'ils vous conduisent à Dieu, le secours de Dieu vous quittera. Mais quand ils en ont eu par-dessus la tête de tout ça, et qu'ils les ont laissés de côté, qu'ils ont laissé de côté les credos et les dénominations de ces Juifs, et qu'ils sont sortis de Jérusalem, alors l'étoile est réapparue. Et ils ont été saisis d'une très grande joie. Ils ont revu le guide. Oh, l'effet que ça fait de se retrouver dans une vieille église froide et formaliste, et après de retourner à une bonne église enflammée. De voir la conduite du guide, ça fait toute une différence. Oui, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Josué leur a dit, maintenant suivez l'arche parce que vous n'avez encore jamais passé par ce chemin. Dieu ne permettra pas que cette arche aille ailleurs que dans le bon chemin. Tout le monde l'a suivi et voilà, elle a traversé le Jourdain. Yes, sir. C'est la même chose aujourd'hui par le Saint-Esprit. Oui, monsieur. The only thing we know where it's the Holy Spirit or not, we see the manifestations of it, the manifestations of vindicating the Word of God. La seule façon pour nous de savoir s'il s'agit du Saint-Esprit ou pas, nous en voyons les manifestations qui confirment la parole de Dieu. Not long ago. Once your brother had blood and oil, that's all right. They won't do that way. Il n'y a pas longtemps, là, un groupe de frères avait du sang et de l'huile. Bon, c'est en ordre. Si c'est comme ça qu'ils veulent faire. That ain't a vindication to me. It's a scripture vindication. À mon avis, ce n'est pas une confirmation, ça. Il faut une confirmation par l'Écriture. Voyez-vous? As long as it's vindicating what God said. Right. That's all right. Pourvu que cela confirme ce que Dieu a dit, c'est en ordre. Il disait, c'est pour ça que vous avez le Saint-Esprit. C'est parce que vous avez eu de l'huile dans la main. I can't go for that. Or ça, je ne peux pas l'accepter. Voyez? I don't believe that oil has anything to do with it. Non, je ne crois pas que l'huile ait quoi que ce soit à y voir. And if that's blood go to heal and salvation, what happened to the blood of Jesus Christ? Et si ce sang-là va guérir et donner le salut, qu'est-il arrivé au sang de Jésus-Christ? Si cette huile-là guérit, qu'en est-il de ses meurtrissures? Voyez? J'aime quand c'est le guide qui vient, qui vous conduit à la vérité de la parole. À ce moment-là, vous savez que vous vous dirigez droit vers le but. Et que vous êtes prêt pour le compte à rebours. That's right, getting ready to fly away. Yes, sir. C'est exact. Vous vous préparez à vous envoler. Oui, monsieur. Yeah, because why? The guide is the one who makes it real. Oui, parce que quoi? Le guide est celui qui rend la chose réelle. I got a scripture here. I'm giving these scriptures, but I want to read this one. J'ai un passage de l'Écriture ici. J'avais donné ces passages de l'Écriture, mais je voudrais lire celui-ci. It's
2 Peter, the first chapter, 21st verse. C'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. For prophecy came not in old times by the will of man. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. But by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que par des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. How did the prophecy come? Comment la prophétie a-t-elle été apportée? Not by the will of man, denominational creeds, but by the will of God when holy men were moved by the Holy Ghost. Non par une volonté d'homme, des credos dénominationnels, mais par la volonté de Dieu, quand des hommes saints ont été poussés par le Saint-Esprit. Il a toujours été le guide de Dieu. C'était le Saint-Esprit qui était dans cette colonne de feu. C'était le Saint-Esprit. Any man knows that was Christ. Tout le monde sait que c'était Christ. Moses forsook Egypt, esteeming the reproach of Christ greater riches than that of Egypt. Moïse a quitté l'Égypte. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Christ was the one. C'était Christ. Well, when you stand out there saying, "Well, you say you're, well, you're not over 50 years old and say you've seen Abraham." Eh bien, quand ils étaient là à dire, « Eh bien, tu dis que tu es, mais tu n'as pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. » Il a dit, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis est celui qui a rencontré Moïse dans la colonne de feu dans un buisson ardent. Oui, monsieur. He was God made flesh. Il était Dieu fait chair. Not a third person, the same person, in a different office. Pas une troisième personne, la même personne, dans une fonction différente. Not three gods, three offices of one God. Correctly. Pas trois dieux, trois fonctions d'un seul Dieu. Exactement. All right. Now, the scripture always, when God provides, he provides the best. Bien, donc, l'Écriture. Toujours, quand Dieu pourvoit, il pourvoit par ce qu'il y a de mieux. Quand Dieu a pourvu d'un moyen de fortifier son Église, il y a pourvu par ce qu'il y avait de mieux. Quand il a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce qu'il leur a donné, c'est sa parole. You stay behind this word and you're safe. Restez derrière cette parole et là vous êtes en sûreté. Mais si vous en sortez, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. God has never changed his strategy. Dieu n'a jamais changé sa stratégie. And Satan has never changed his. Et Satan n'a jamais changé la sienne. How he got into Adam and Eve, he gets into them today. La façon dont il s'y est pris pour s'introduire dans Adam et Ève, c'est comme ça qu'il s'introduit dans les gens aujourd'hui. Why? By trying to reason it out. Comment ça? En cherchant à raisonner la chose. Now, it's reasonable that God would not... Allons, il est raisonnable de penser que Dieu ne ferait pas ça. Oh, God has said, surely a holy God won't do this. Oh, Dieu a dit Satan, mais sûrement qu'un Dieu saint ne fera pas ça. Surely he will, because he said he would. Sûrement qu'il le fera, parce qu'il a dit qu'il le ferait. That's why people say, oh, now wait, you don't believe that if I go to church and I pay my... Et c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Oh, attends un peu là. Tu ne crois pas vraiment que si je vais à l'église et que je paye ma dîme et que je fais ceci, cela, que Dieu me rejetterait? À moins de naître de nouveau, un homme ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu. No excuses. Voyez, il n'y a pas d'excuses. Well, the poor old man, the poor old woman, there's a good old soul. Eh bien, le pauvre vieux, la pauvre vieille, c'est une brave âme. La seule façon qu'ils puissent jamais voir Dieu, c'est en naissant de nouveau. C'est tout. Peu m'importe qu'ils soient petits, qu'ils soient âgés, qu'ils soient jeunes, quoi qu'ils aient fait, combien ils sont allés à l'église, combien de dénominations ils connaissent, combien de credos ils peuvent réciter. Vous devez naître de nouveau, sinon vous n'êtes même pas sur le fondement pour commencer. C'est tout à fait exact. Alors, vous voyez, vous avez besoin du guide. Il vous guidera vers la vérité. Et la vérité est la parole. He will guide you. Il vous guidera. And it always has been. Et il en a toujours été ainsi. God don't never have to change nothing because he's infinite
and he knows what's best. Dieu n'a jamais à changer quoi que ce soit, puisqu'il est infini et qu'il sait ce qui est le mieux. Il est omniprésent, il est omniscient, il est tout. C'est exact, c'est ce que Dieu est. Alors, il n'a pas à changer. Bien. Il est celui qui confirme le chemin dans lequel il vous conduit. Le Saint-Esprit, le guide, est celui qui confirme la parole même qu'il enseigne. Or, Luc a été conduit par le guide à dire: allez par tout le monde, prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. And the Bible says that they went forth everywhere, led by the guide. Preach the word with signs following. Et la Bible dit qu'ils s'en allèrent partout, conduits par le guide. Vous savez, ils prêchaient la parole avec les signes qui l'accompagnaient. What was it? The guide vindicating that was the truth. Qu'est-ce que c'était? Le guide qui confirmait que c'était la vérité. That was God's policy. C'était la ligne d'action de Dieu. That's what it was laid down. C'est ce qui a été établi. That's his program. He can't change from it because he's infinite. C'est là son programme. Il ne peut pas le modifier parce qu'il est infini. Amen. Il ne peut pas le modifier. Il est Dieu. I can change, I'm a man. Moi, je peux changer. Je suis un homme. You can change, you're a man or woman. Vous pouvez changer. Vous êtes un homme ou une femme. But God cannot change. Mais Dieu ne peut pas changer. I'm fine. I can make mistakes and say things wrong. All of us can. Je suis limité. Je peux faire des erreurs et dire des choses qu'il ne faut pas. Nous le pouvons tous. But God can't be God. Mais Dieu ne peut pas le faire et être Dieu. His first decision is perfect. Sa première décision est parfaite. The way God acts on the scene, that's the way he's got to act every time. La façon dont Dieu agit quand il passe à l'action, c'est de cette façon qu'il doit agir chaque fois. If he's called on the scene to save a sinner, he saves him on the basis of one thing. S'il est appelé à passer à l'action pour sauver un pécheur, il le sauvera sur la base d'une seule chose. The next time a sinner comes, he's got to act the same way or he acted wrong when he acted the first time. Amen. La prochaine fois qu'un pécheur se présentera, il devra agir de la même façon. Sinon, il n'aurait pas agi comme il faut la première fois. Amen. I love it. I know it's the truth. Je l'aime. Je sais que c'est la vérité. I'm 53 years old, been preaching the gospel here for 33 and a half years. I've never seen it fail. J'ai 53 ans. Il y a 33 ans et demi que je prêche l'évangile ici. Pas une seule fois, je n'ai vu cela faillir. I've seen it tested 7 times around the world in all kinds of religions and everything else before as many as a half a million at one time and never has it failed. Je l'ai vu mis à l'épreuve tout autour du monde, 7 fois, au milieu de toutes sortes de religions et tout le reste, devant un demi-million de personnes même, à un moment donné, et jamais cela n'a failli. I don't speak from some book, I speak from personal experience. I know that God stands behind his word and honors it. Je ne parle pas de ce que j'ai lu dans un livre, je parle de ce que j'ai expérimenté personnellement. Je sais que Dieu appuie sa parole et qu'il l'honore. Now, if you have some kind of creed, you better watch that. Bon, si c'est une espèce de credo que vous avez, vaut mieux faire attention là. But the Holy Spirit will back up the word of God. Mais le Saint-Esprit appuiera la parole de Dieu. And Saint John, the first chapter, the first verse, he said he is the word. Amen. He is the God. Dans Jean au chapitre 1 et au verset 1, il a dit: il est la parole, il est le guide. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. And the word was made flesh and dwelt among us. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Oh. Peter was led to say on Acts 2:38 how to receive the Holy Ghost. Pierre a été conduit à dire dans Actes 2:38
Comment recevoir le Saint-Esprit? Il a dit, repentez-vous, chacun de vous. Ensuite, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et ensuite, le guide s'occupera de vous pour le reste du chemin. Oui, c'est ça qu'il faut faire. D'abord, repentez-vous de vos péchés, de votre incrédulité, de n'avoir pas cru ces choses. Repentez-vous, ensuite soyez baptisés, et ensuite le guide s'occupera de vous pour le reste du chemin. Voyez-vous, c'est votre devoir. C'est votre devoir de vous repentir. C'est votre devoir d'être baptisé. Ensuite, c'est le devoir du guide de s'occuper de vous pour le reste du chemin. De vous conduire de la vertu à la connaissance, à la tempérance, à la patience, à la piété et à l'amour fraternel, et le Saint-Esprit vous scelle. Voyez, alors vous êtes à la pleine stature de Dieu, un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, bien ancré en Christ. I love that. Anchored away in Christ. J'aime ça, bien ancré en Christ. Oui, Marc a été conduit par le Saint-Esprit à écrire Marc 16, bien sûr. John was led when he wrote Revelation. Jean a été conduit quand il a écrit l'Apocalypse. He was led by the guide. Il a été conduit par le guide. He was also led by the guide to say, whosoever shall take one word out of it or add one word to it, the same will be taking his part out of the book of life. Il a aussi été conduit par le guide à dire, quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, celui-là sera retranché sa part du livre de vie. Maintenant, comment allez-vous substituer quelque chose à la parole de Dieu tout en continuant à prétendre que vous êtes conduit par le Saint-Esprit? Ça ne tient pas debout, n'est-ce pas? Non, monsieur, pas du tout. Il a été mon guide au long de ma vie. Il m'a guidé jusqu'à la vie. Il est celui qui m'a conduit à la vie et il est ma vie. Sans lui, je n'ai pas de vie. Sans lui, je ne veux plus rien. Il est tout, mon tout en tout. À mes heures difficiles, il me soutient. Hier, il m'a béni. Aujourd'hui, ils ont agi de la même façon. À quoi puis-je m'attendre? À la même chose, pour toujours. Gloire à son nom. Amen. Oui, monsieur, il l'a promis. Il le fera. Il est ma vie. Il est mon guide. Le tout en tout. Je lui ai fait confiance. J'ai passé par de dures épreuves. Je lui fais confiance partout où je vais. Je voudrais que vous fassiez de même. Si vous allez faire votre lessive, vous les femmes, faites-lui confiance. Si vous allez en ville, faites-lui confiance. Une fois, j'en étais arrivé au point de penser que je m'y connaissais assez comme homme des bois, vous savez, pour avoir tellement chassé. Je pensais, je suis vraiment à toute épreuve, personne, impossible de m'égarer. Ma maman était mi-indienne. Et j'aimais ça, oh là là. Impossible de m'égarer dans les bois, je sais où je suis. Et pour ma lune de miel, j'ai triché un petit peu avec ma femme. Je lui ai dit, tu sais chérie, ce serait bien qu'on se marie le 23 octobre. Évidemment, c'est à cette date-là que le Seigneur m'avait dit de le faire. And I'll take her over by Niagara Falls and go over in the Adirondack and do a little hunting.
Et je me suis dit, maintenant, comme petite lune de miel, j'ai mis de l'argent de côté, je vais l'emmener voir Niagara Falls et j'irai dans les Adirondacks chasser un peu. Voyez? Alors je l'ai emmené, elle et Billy, il n'était qu'un petit bout de chou. Donc je devais l'emmener en lune de miel. Et c'était un voyage de chasse aussi, vous savez. Alors je me suis dit que ce serait bien de faire comme ça. Donc je l'ai emmené là-bas et j'ai écrit à Monsieur Denton, le garde forestier. Nous allions nous rendre sur le mont Hurricane. J'ai dit, Monsieur Denton, je vais me rendre là-bas. Je voudrais chasser l'ours avec vous cet automne. Il a dit, d'accord Billy, amène-toi. Alors il a dit, je serai là tel jour. Eh bien, ma femme et moi, nous sommes arrivés un jour d'avance avec Billy. Alors la cabane était fermée à clé. Il y avait un petit appentis plus loin dans les bois. C'est là que frère Fred Softman et moi sommes allés il n'y a pas longtemps. Nous étions là. Le Saint-Esprit, je l'ai vu, il était là, cette lumière jaune qui se déplaçait dans le buisson, et Fred était là. Il a dit, viens par ici, à l'écart, je veux te parler. Demain, il a dit, fais attention, ils t'ont tendu un piège. Il a dit, sois sur tes gardes. Pas vrai, frère Fred? Je suis allé et je l'ai dit à des centaines de personnes ce soir-là, là-bas au Vermont. J'ai dit, on m'a tendu un piège, je vais voir ce que c'est, je ne sais pas où. Et dès le lendemain soir, voilà, ça y était. J'ai dit, voilà le piège qu'on m'a tendu. Oui, monsieur. Mais le Saint-Esprit m'a conduit, m'a montré quoi faire. Et, oh là là, c'était exactement ce qu'il fallait. Oh, beaucoup d'entre vous savent ce que c'était. Je n'ai pas le temps de le raconter. Mais nous étions là-bas cette fois-là, et il avait commencé à faire froid ce jour-là. Monsieur Denton allait arriver le lendemain. J'ai dit, tu sais chérie, ce serait bien si je pouvais rentrer à la maison en rapportant un grand cerf. J'ai dit, nous, j'étais obligé d'économiser mes sous, et nous venons de nous marier. Et j'ai dit, nous aurions notre viande pour l'hiver, si je faisais un peu de chasse aujourd'hui. Elle a dit, eh bien, vas-y Billy. Elle a dit, maintenant n'oublie pas, je ne suis jamais venu ici dans les bois, elle a dit. Elle était à environ 25 milles là, dans les montagnes, vous savez, alors elle a dit, je ne m'y connais pas du tout. Elle a dit, alors j'ai dit, eh bien, tu te souviens là, il y a 2 ans, j'ai tué ces 3 ours. C'était juste de l'autre côté de la montagne là-bas. Et j'ai dit, maintenant je vais attraper un grand cerf et on va avoir de l'ours. Et j'ai dit, on aura notre viande pour l'hiver. Well, that sounded pretty good, you know? Bon, ça sonnait assez bien ça, vous savez. We picked blackberries and got our coal for that winter, and so then Billy sold them and Billy and I picked them up evening after I got off of my patrol. On avait cueilli des mûres et on s'était procuré le charbon qu'il nous fallait pour cet hiver-là. Alors, c'est Billy qui les vendait et Meda et moi, on les cueillait le soir après ma ronde. So then, et donc, j'ai dit, eh bien, je vais prendre mon fusil, je vais descendre ici. J'ai dit, il y a beaucoup de cerfs dans ce coin-ci, je vais en trouver un. Et j'ai dit, tu sais, j'ai dit, et je vais l'attraper. Et j'ai dit,
Je ne vais pas tarder à revenir. She said, okay. Elle a dit, d'accord. So when I started off, it's kind of low. Alors, quand je suis parti, c'était assez couvert. Et ceux qui sont du New Hampshire et de là-bas en Nouvelle-Angleterre, vous savez ce que ça veut dire quand le brouillard descend là-bas ou n'importe où dans les montagnes. On ne sait plus où on est, un point c'est tout. On ne voit même pas sa main devant soi. So then, I started down through a little chopping, like come down and went over across the ridge and come up. Et donc, en descendant, j'ai traversé un genre de petit terrain déboisé. Je suis descendu. J'ai traversé de l'autre côté de la crête. Je suis remonté. And I noticed a panther. You'd call it here in this part of the country. We call it in the west a cougar. J'ai remarqué une panthère. C'est comme ça que vous appelez ça dans cette région-ci. Dans l'ouest, on appelle ça un cougar. They call it up there a mountain lion. It's all the same animal. It's a pluma, really what it is. Là-bas, ils appellent ça un lion de montagne. C'est le même animal. En réalité, ce que c'est un puma. Same cat, about 9 foot long, weigh about 150-200 pounds. Le même félin, d'environ 9 pieds de long, qui pèse environ 150 à 200 livres. He crossed the road and I slipped the gun real quick. Not fast enough to get shot in. Il a traversé la route et j'ai sorti mon fusil à toute vitesse. Mais pas assez vite pour pouvoir le tirer. Bon, j'ai monté la colline en douce à la poursuite de ce cougar, en observant les feuilles pour voir où il était passé, vous savez. Je l'entendais, il avait quatre pattes. Je savais que ce n'était pas un animal à deux pattes, il en avait quatre. Et je savais que ce n'était pas un cerf, parce que le cerf marche en martelant le sol. Real easy to cap, you know, like that. Et il se déplaçait très doucement, ce félin, vous savez, comme ça. And a bear rolls his feet when he walks. L'ours, lui, il marche en roulant ses pattes sur le sol. And so I knew it must have been a cougar. Donc je savais que c'était forcément un cougar. And he was behind a log and I didn't see him, so I just got a glimpse at him, he was gone. Il était derrière un tronc d'arbre au sol et je ne l'avais pas vu. Tout à coup, je l'ai juste entrevu et il est parti. Je regardais comment il déplaçait les feuilles, vous savez, sur le sommet de la montagne et en descendant comme ceci. Je ne faisais pas attention à ce nuage qui descendait tout le temps, vous savez, qui descendait, le brouillard. Je suis descendu doucement, j'ai traversé une grande vallée et je suis entré dans la forêt des géants en suivant ce cougar. Je me disais, je vais finir par l'attraper. Je voyais un endroit, je montais sur une hauteur et je regardais partout, comme ça. Je jetais un coup d'œil furtif pour voir si je pouvais le voir. J'écoutais très attentivement, puis je me baissais. Je me baissais de nouveau, doucement. You hear the brush go crashing, way ahead of me, as it's going out. On entendait le craquement des broussailles, bien en avant de moi. Il sortait. He's hit the trees then, so I couldn't trail him. Voyez-vous, là, il était arrivé jusqu'aux arbres. À ce moment-là, je ne pouvais plus suivre sa piste. See, he got smart, got up in the trees and jumped from tree to tree. Voyez-vous, il était plus futé, là. Il montait aux arbres. Il sautait d'un arbre à l'autre. Then he knew I couldn't trail him there. Il savait que là, je ne pourrais plus suivre sa piste. Oh, I thought, oh, anyhow. Oh, je me suis dit, oh, tant pis. And I started back up the canyon. And I whipped the bear, an old male bear. Alors j'ai commencé à remonter dans le canyon et j'ai reniflé l'odeur d'un ours, un vieil ours mâle. I thought, I'll get him now, boy, that's good. Je me suis dit, là, lui, je vais l'attraper. Oh, ça, c'est bien. J'ai reniflé l'odeur de nouveau et j'ai avancé encore un peu. J'épiais à l'affût de toutes sortes de signes et tout. Je ne voyais absolument rien. J'ai fait demi-tour pour redescendre. Je suis retourné de l'autre côté de la montagne. C'est là que j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un peu de brouillard. Et j'ai reniflé encore son odeur. Il était quelque part dans l'air. J'ai dit, non, là, ce qui s'est passé, c'est que le vent venait de cette direction-ci, et l'odeur de l'ours venait de là, de cette direction-là. Et maintenant que j'ai traversé de ce côté, le vent vient de l'autre direction, ici. Donc, il faut que je retourne à l'endroit où j'ai senti l'odeur de cet ours la première fois, et que je reparte de là.
Et, en m'en retournant, j'ai regardé de l'autre côté du canyon. J'ai vu bouger les broussailles. And when I did, something black moved. Et à ce moment-là, quelque chose de noir a bougé. Je me suis dit, le voilà. J'ai chargé mon fusil en vitesse et je suis resté immobile. And what it did is a great big buck, great big one. Et là, c'était un grand cerf mâle, un énorme. Je me suis dit, c'est justement ce que je voulais, après tout. J'ai abattu ce cerf. Je me suis dit, eh bien, je n'avais pas du tout remarqué qu'il faisait un peu. Quand j'ai eu fini de le préparer, j'ai regardé. Je me suis nettoyé les mains, j'ai essuyé mon couteau, je l'ai remis à sa place. Et je me suis dit, gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus, tu m'as donné ma viande pour l'hiver. Que Dieu soit loué. J'ai pris mon fusil, je me suis dit, je vais tout de suite remonter ici dans le canyon. J'ai dit, regarde-moi ça mon gars, il va y avoir une tempête. Je fais mieux de sortir d'ici, d'aller retrouver Meda et les autres. J'ai dit, il faut que je me dépêche. Je suis remonté dans le canyon. J'ai déboutonné ma grande veste rouge. Et je courais dans le canyon, comme ceci, en le contournant. Tout à coup, je me suis dit, oh, où est-ce que j'avais tourné? Le vent soufflait déjà fort. Les arbres valsaient ensemble. Je me suis dit, où est-ce que j'avais tourné? Je suis allé de l'autre côté. Je savais que je me dirigeais tout droit vers le mont Hurricane. Mais tout à coup, je me suis arrêté. J'étais en sueur. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait une demi-heure ou trois quarts d'heure que je suis parti. Et je ne trouve pas l'endroit où j'avais tourné. J'ai levé les yeux et mon cerf était suspendu là. J'étais exactement au même endroit. Je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis reparti. Je me suis dit, cette fois, je vais y arriver. Je n'étais pas attentif, c'est tout. J'ai fait attention à chaque petit mouvement, partout, je faisais attention. Je cherchais les nuages qui approchaient. Je savais qu'il allait y avoir une tempête de neige. Le brouillard était très bas. Et là, j'ai commencé à remarquer. Je me suis dit, je vais aller un peu plus loin. J'ai continué. Je me suis dit, eh bien, c'est bizarre. On dirait que j'ai déjà vu cet endroit. J'ai regardé et mon cerf était suspendu là. Voyez? Savez-vous ce que je faisais? Les Indiens appellent ça la marche de la mort. Voyez-vous, vous marchez en décrivant un cercle, vous tournez et tournez. Eh bien, je me croyais trop bon guide pour jamais m'égarer. Voyez-vous, on n'avait pas besoin de me dire quoi que ce soit des bois, je savais me débrouiller. Voyez? Je suis reparti, je disais, impossible que je fasse cette erreur. Et je suis encore revenu. Je suis monté un peu plus haut dans le canyon. À ce moment-là, le vent avait déjà commencé à souffler. Oh là là, de la neige partout. Il faisait presque nuit. Et je savais que Meda mourrait pendant la nuit dans cette région sauvage. Elle ne savait pas se débrouiller toute seule. Et Billy avait peut-être 4 ans, 3 ans. Il n'était qu'un petit bout de chou. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, je suis monté jusqu'à un endroit. Il y avait un tapis de mousse. Je me suis dit,
Je suis sur un terrain plat quelque part et je ne vois rien. C'est tout brumeux. Là, je tournais en rond. Ordinarily, I'd have found me a place and hold up if I had somebody with me. En temps normal, j'aurais trouvé un endroit où m'arrêter si j'avais été avec quelqu'un. I'd hold up and wait till the storm was over, a day or two, to come on out. Je me serais arrêté, j'aurais attendu que la tempête soit passée, un jour ou deux, ensuite je serais ressorti. Cut my piece of deer over my back, went in, eat and forgot about it. Je me serais dépecé un morceau de cerf. Avec ça sur le dos, je serais allé m'enfermer, j'aurais mangé et je n'y aurais plus pensé. Mais on ne peut pas faire ça quand on a sa femme et son bébé là-bas dans les bois en train de périr. Voyez? Alors je me suis mis à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Alors j'ai continué à avancer un peu. I've got to come this way. Je me suis dit, attends un peu. Quand j'ai traversé la première vallée, j'avais le vent de face, donc j'ai dû venir de cette direction-ci. Forcément que je suis venu de cette direction-ci. Je m'étais enfoncé dans la forêt des géants, mais je ne savais pas où j'étais. I said, oh, I begin to get nervous. J'ai dit, oh, j'ai commencé à m'énerver. I thought, wait a minute, Bill, you're not lost. Try to bluff yourself. Je me suis dit, attends un instant, Bill, tu n'es pas perdu. J'essayais de bluffer. You can't bluff it. No. On ne peut pas bluffer. Non, non. That inner conscience tells you you're wrong. Cette conscience à l'intérieur, elle vous dit que vous avez tort. Or you try to say, oh, I'm saved, I go to church. Don't you worry, you wait till that deathbed comes. You know it's different. Oh, vous essayez de dire, oh, je suis sauvé, je vais à l'église. Ne vous en faites pas. Attendez un peu d'être sur votre lit de mort. Vous saurez qu'il en est autrement. Votre conscience vous le dit. Quelque chose à l'intérieur de vous vous dit que vous avez tort. Voyez? Vous savez que si vous mouriez, vous ne pourriez pas aller à la rencontre d'un Dieu saint. Comme nous l'avons vu hier soir, même les saints anges doivent se voiler le visage pour se tenir devant lui. Comment pourrez-vous vous tenir là sans avoir le sang de Jésus-Christ pour vous voiler? Je me disais, oh, je vais y arriver. Je suis reparti. Je me suis rendu compte que j'entendais continuellement quelque chose. Là, je me suis énervé. Et je me disais, maintenant, si je fais ça, je vais perdre les pédales. Un homme qui est perdu, d'habitude, c'est ce qu'il fait. Il perd les pédales dans les bois. Ensuite, il va prendre son fusil et se tirer, ou tomber dans un fossé et se casser une jambe. Il va rester là, il va mourir là. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je me suis remis à marcher. Et j'entendais continuellement quelque chose qui disait, je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Et je continuais à marcher tout simplement. Je me disais, maintenant, je vois bien que je commence à être un peu ma boule. Là, j'entends une voix qui me parle. Je continuais à avancer et là, je sifflotais, vous savez. Je me disais, allons, je ne suis pas perdu. Tu sais où tu es, mon gars. Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas te perdre. Tu es trop bon chasseur pour ça. Tu ne peux pas te perdre. Je me vantais, vous savez, j'essayais de bluffer pour passer au travers. Vous ne pouvez pas bluffer. Tout au fond ici, il y a une petite roue qui tourne qui dit, mon gars, tu es perdu et tu le sais. Voyez, tu es perdu. Je continuais à avancer. Oh, je ne suis pas perdu, tout ira bien, je vais retrouver mon chemin pour sortir. Les choses ont commencé à prendre un drôle d'aspect, le vent tout près. La neige s'est mise à tomber, une petite neige en bouillie.
Nous on dit grésiller. I thought of wife and baby. Et je pensais à ma femme et au bébé. Je ne suis pas, je me disais, oh là là. Tout à coup, j'ai encore entendu cela qui disait, je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. J'étais ministre de l'Évangile à l'époque. Je prêchais ici même au tabernacle. Alors, je me suis dit, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis arrêté, j'ai regardé partout, et là le brouillard était déjà tombé. Ça y était, à ce moment-là, il n'y avait plus rien à faire. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, monsieur, je ne suis pas digne de vivre. J'ai été trop sûr de moi. Je pensais que j'étais un chasseur, mais je n'en suis pas un. Brother, I've always trusted him. Et frère, je lui ai toujours fait confiance. Shooting. I've got records up there. Au tir, je détiens des records. Ils sont accrochés là. And a fisherman, I'm a poor one, but I've always trusted him. Et comme pêcheur, je suis médiocre, mais je lui ai toujours fait confiance. Shots, I'm a poor shot, but he's let me make world records on it. Au tir, je suis médiocre comme tireur, mais il m'a permis d'établir des records mondiaux. Voyez? Shoot deer, 700-800 yards. Tirer des cerfs à 700 ou 800 verges. Got a gun up there, killed 35 head of game without missing a shot with it. J'ai un fusil accroché là, avec lequel j'ai tué 35 pièces de gibier, sans manquer un seul coup avec. Just read that anywhere if you can, see? Lisez ça quelque part, si vous le pouvez. Voyez? Not me, it's him, I've trusted him. Ce n'est pas moi, c'est lui. Je lui ai fait confiance. J'étais là, je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je continuais. Ça se rapprochait de plus en plus, de plus en plus. Je suis un secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Un secours qui ne manque jamais. I thought, is that God talking to me? Je me suis dit, est-ce que c'est Dieu qui me parle? I took off my hat. J'ai ôté mon chapeau. I had my patrol hat, red handkerchief wrapped around it. I laid it down. J'avais mon chapeau de garde-chasse avec le mouchoir rouge attaché autour. Je l'ai posé par terre. I took off my coat. It's moist. J'ai ôté ma veste. Elle était humide. I laid my coat down. Set my gun up against the side of a tree. J'ai déposé ma veste par terre. J'ai adossé mon fusil contre un arbre. I said, Heavenly Father, now I'm getting beyond myself. I'm hearing a voice speaking to me. Is that you? J'ai dit, Père Céleste, maintenant je commence à divaguer. J'entends une voix qui me parle. Est-ce toi? I said, Lord, I'm going to admit to you that I ain't no hunter. J'ai dit, Seigneur, je vais t'avouer que je ne suis pas un chasseur. I can't find my way around. Je n'en suis pas un. Je n'arrive pas à me débrouiller. You have to help me. Il faut que tu m'aides. I'm not fit to live. Doing the things that I've done. Coming in here and thinking I know too much about to ever get lost. I need you, Lord. Je ne suis pas digne de vivre après avoir fait les choses que j'ai faites. De venir ici et de penser que je m'y connaissais trop pour jamais me perdre. J'ai besoin de toi, Seigneur. My wife is a good woman. Mon épouse est une brave femme. My baby, my little boy, his mother's gone on. And she's trying to be mother to him. And I've just married her. Mon bébé, mon petit garçon, sa mère est décédée. Elle essaye d'être une mère pour lui, et je viens de l'épouser. Elle est là, une enfant, dans les bois. Ils vont tous les deux mourir cette nuit. Avec ce vent, il va peut-être faire 10 degrés au-dessous de zéro, et ne sauront pas comment survivre. Ils vont mourir cette nuit. Ne les laisse pas mourir, ô Dieu. Emmène-moi auprès d'eux pour que je puisse m'en occuper, qu'ils ne meurent pas. Je suis perdu. Je suis perdu, ô Dieu. Je n'arrive plus à retrouver mon chemin. Je t'en prie, ne veux-tu pas m'aider? And forgive me for my own self-centered way. I can't do nothing without you. You're my guide. You help me, Lord. Et pardonne-moi ma conduite égocentrique.
Je ne peux rien faire sans toi. Tu es mon guide. Aide-moi, Seigneur. I got up and I said, Amen. Je me suis relevé et j'ai dit Amen. J'ai ramassé mon mouchoir, ma veste, je l'ai ramassé, j'ai remis mon chapeau, j'ai pris mon fusil. I said, now, I'll fix myself in the very best way that I know how to go. The very best of my understanding. J'ai dit, maintenant, je vais m'orienter dans la direction qui, selon moi, est vraiment la meilleure, à ma connaissance. And I'll go straight one way, because I'm walking around a circle somewhere. I don't know where. Et je vais avancer en ligne droite, dans cette direction, parce que je tourne en rond quelque part, je ne sais pas où. But I'll go the way you tell me, Lord God, my guide. Mais j'irai dans la direction que tu m'indiqueras, Seigneur Dieu, mon guide. I started walking this way, I said, this is it. I have to make myself believe it. J'ai commencé à marcher dans cette direction-ci. J'ai dit, c'est ça. Il faut que je me convainque que c'est ça. I'm going this way. I'm going straight this way. Je vais dans cette direction-ci. Je vais en ligne droite dans cette direction-ci. I'm not going to vary. I'm going this way. I know I'm right. I'm going this way. Je n'en dévierai pas. Je vais dans cette direction-ci. Je sais que j'ai raison. Je vais dans cette direction-ci. If I'd have went that way, I'd head off over in Canada. Si j'étais allé dans cette direction-là, je partais pour le Canada. Voyez? Just then I felt something touch me on the shoulder. A hand. It felt like a man's hand. So quick I turned around to look. Juste à ce moment-là, j'ai senti quelque chose me toucher l'épaule. Une main. Il m'a semblé que c'était une main d'homme qui me touchait. Tellement vite que je me suis retourné pour regarder. There was nobody standing. I thought, what was that? Il n'y avait personne. Je me suis dit, qu'est-ce que c'était? Here's the Bible. Laying before me. God, my guide and judge, is standing here. La Bible est ici devant moi. Dieu, mon guide et mon juge, est ici. I just looked up, and right back this way, that fog just cleared back, till I could see the tower on top of here came out. J'ai simplement levé les yeux, et au loin, dans cette direction-ci, le brouillard s'est écarté, juste assez pour que je voie la tour au sommet du mont Hurricane. Going right straight away from it, the best of my hunting ability, I was going away from it. Get real late in the evening, man. J'allais dans la direction complètement opposée, en utilisant de mon mieux mes capacités de chasseur. J'allais dans l'autre direction, et il commençait à être très tard le soir là. I turned real quick, directing myself like this. Je me suis retourné en vitesse, en m'orientant comme ceci. I took off my hat and raised up my hand. How's that guide me over? God, you're my guide. J'ai pris mon chapeau et j'ai levé les mains. J'ai dit, guide-moi jusqu'au bout, ô Dieu, tu es mon guide. I started. I had to go right straight up bluffs and everything getting there. Later and later. Je me suis mis en route. Il m'a fallu gravir des escarpements et tout pour me rendre là-bas. Il se faisait de plus en plus tard. Then it got dark. Deers were jumping in front of me and everything. Ensuite, la nuit est tombée. Les cerfs bondissaient devant moi et tout. I couldn't think of nothing but keeping myself one way right up this mountain. Je n'avais rien d'autre dans la tête que de rester dans cette direction en montant vers cette montagne. I know if I could get to the tower, Mr. Denton and I helped put the line up that spring. Et je savais que si je pouvais arriver jusqu'à la tour, Monsieur Denton et moi, je l'avais aidé à installer la ligne ce printemps-là. We tacked the telephone wire from the Hurricane Mountain all the way down about 3.5 or 4 miles, right down to the camp. Nous avions fixé le fil du téléphone à partir du mont Hurricane jusqu'en bas, sur une distance de peut-être 3.5 miles ou 4 miles, jusqu'au camp. And it went right down a little trail, but the snow on there, you couldn't tell the trail. Et c'était le long d'un petit sentier, mais avec la neige qu'il y avait là, on ne pouvait pas distinguer le sentier, voyez? Et le vent qui soufflait et tout, il faisait noir. Et avec ce blizzard et tout ça qui se déroulait, on ne pouvait pas savoir où on était. Eh bien, la seule chose à faire pour moi, après que la nuit a été tombée, et je ne savais pas, je savais que j'allais dans une direction et tout droit sur la montagne. En effet, je devais gravir la montagne et la tour était juste au sommet de la montagne. Et j'avais environ 6 milles à parcourir avant d'y arriver. Just think that fog clearing back 6 miles, just one hole.
Pensez un peu, ce brouillard qui s'est dissipé sur une distance de 6 milles, juste un trou pour que je puisse la voir. Et alors, je prenais mon fusil dans cette main-ci et je tenais cette main-ci en l'air parce que j'avais fixé le fil sur les arbres. Comme ça, en descendant les fils du téléphone jusqu'à la cabane, pour qu'il puisse parler avec sa femme et faire des appels de là-bas, de la montagne. Et je devais l'aider à enlever tout ça cet automne-là. Je tenais ma main en l'air, comme ceci. Je disais, « Oh Dieu, laisse-moi toucher cette ligne. » Je marchais et mon bras me faisait tellement mal. La fatigue, j'avais de la peine à le tenir en l'air. J'étais obligé de le redescendre. Je changeais mon fusil de main. Je le tenais avec celle-là. Je reculais de quelques pas pour être bien sûr de ne pas l'avoir manqué. Ensuite, je levais la main et je me remettais à marcher, et je marchais. Il se faisait tard, il faisait nuit, le vent soufflait. Oh, j'attrapais une branche, je disais, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Oh, ça rendait, il ne faut pas que ça rende un son confus. Au bout d'un certain temps, au moment où j'étais presque sur le point d'abandonner, ma main a touché quelque chose. Oh là là! J'avais été retrouvé, moi qui étais perdu. J'ai tenu ce fil. J'ai laissé tomber mon fusil par terre. J'ai ôté mon chapeau. Et je me suis tenu là. J'ai dit, « Oh Dieu, quel bien cela fait d'être retrouvé quand on était perdu. » J'ai dit, « Ce fil, d'ici jusqu'au bout, je ne le lâcherai jamais. » Je vais m'accrocher à ce fil. Il me guidera tout droit à l'endroit où se trouve tout ce que je chéris sur cette terre, là-bas. Ma femme et mon bébé, paniqués, ils ne savent pas où je suis. Ils ne savent pas faire du feu. Ils ne savent pas quoi faire, et le vent qui souffle, les branches qui craquent et qui tombent des arbres. Jamais je ne me serais risqué à lâcher ce fil. J'ai tenu ce fil jusqu'à ce qu'il m'ait guidé vers tout ce que je chérissais sur cette terre. That was a horrible experience, and a great experience to find my way out. That wasn't half of it. Ça a été une expérience horrible et une expérience glorieuse de retrouver mon chemin. Mais ce n'est pas la moitié de l'histoire. One day I was lost in sin. Un jour, j'étais perdu dans le péché. I went church after church trying to find something. J'allais d'une église à l'autre. J'essayais de trouver quelque chose. I went to the Seventh-day Adventists. They told me, keep the Sabbath. Quit eating meat. Je suis allé chez les Adventistes du septième jour. Ils m'ont dit, observe le sabbat. Arrête de manger de la viande. Je suis allé à l'église baptiste, à la première église baptiste. Il a dit, tu n'as qu'à te lever et à leur dire que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je vais te baptiser, c'est tout. Il n'y a rien dû. Mais un jour, dans un petit hangar à charbon, j'ai levé les mains en l'air, j'ai saisi quelque chose, ou je vais le dire comme ceci, quelque chose m'a saisi. C'était une corde de sauvetage, le guide.
I'm going to take my hand off that wire. Et il m'a conduit en sûreté jusqu'ici. Je n'enlèverai pas ma main de ce fil. I'm holding my hands to him. Je tiens mes mains levées vers lui. Que les credos et les dénominations fassent ce qu'ils voudront. Moi, je m'accroche au guide. En effet, tout ce qui a jamais été sur cette terre et tout ce qu'il y a au ciel et qui m'a jamais été précieux se trouve au bout de cette corde. Il m'a conduit en toute sécurité jusqu'à présent. Je vais lui faire confiance pour le reste du chemin. Quand lui, le Saint-Esprit, sera venu, il vous guidera et vous conduira dans toute la... Mes amis, c'est ce qui m'a amené à être où j'en suis aujourd'hui. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis. I can gladly introduce it to you. C'est avec joie que je vous le présenterai. It's the only guide that I know anything about. For you're on earth or up there. C'est le seul guide que je connaisse sur cette terre et là-haut. He is my guide when I go hunting. He's my guide when I go fishing. Il est mon guide quand je vais à la chasse. Il est mon guide quand je vais à la pêche. He's my guide when I talk to somebody. He's my guide when I preach. He's my guide when I sleep. Il est mon guide quand je parle à quelqu'un. Il est mon guide quand je prêche. Il est mon guide quand je dors. And when I come to die, he'll be standing at the river. Hallelujah. He'll guide me across the way. Et quand viendra le moment de ma mort, il se tiendra là, au bord du fleuve. Il me guidera pour traverser de l'autre côté. I'll fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they'll correct me and guide me across the river. Let us pray. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ils me corrigeront et ils me guideront jusqu'à l'autre côté du fleuve. Prions. Heavenly Father, I'm so thankful for the guide, the one who leads me. Père Céleste, je suis si reconnaissant pour le guide, celui qui me conduit. Oh, sometimes, Father, I can't hear him around me. I get scared. Oh, parfois, Père, je ne l'entends plus autour de moi. Ça m'effraie. Je veux qu'il soit près de moi, parce que je ne sais pas à quelle heure j'arriverai au fleuve. Je veux qu'il soit près de moi. Ne me quitte jamais, Seigneur. Je ne peux pas parler, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas chasser dans les bois, je ne peux pas pêcher sur la rive, je ne peux pas conduire ma voiture. Sans toi, je ne peux rien faire. You're my guide. Tu es mon guide. How happy I am to see this congregation tonight. How that you have guided me in all these things. How that you have brought me. Comme je suis heureux de dire à cette assemblée ce soir que c'est toi qui m'as guidé dans toutes ces choses, que c'est toi qui m'as amené là. L'autre jour, je pensais, il y a seulement quelques années, j'étais ici dans la rue, et parce que ma famille avait fait des choses qui n'étaient pas bien, personne ne voulait me parler. I was lonesome for fellowship. Nobody wanted anything to do with me. Je me sentais seul. J'avais soif de communion fraternelle. Personne ne voulait rien avoir à faire avec moi. They said his dad is a bootlegger. Il disait, son papa est contrebandier d'alcool. And Lord, no one would talk to me and I love people. Aussi, Seigneur, je voyais que personne ne voulait me parler. Et moi, j'aime les gens. One day when I caught a hold of that line. Mais un jour, quand j'ai saisi cette corde, maintenant de penser, Seigneur, qu'il faut que je m'éclipse, que j'aille dans des régions sauvages pour me reposer un peu. Qu'est-ce qui a fait ça? Not personality, not education, I have none. Pas ma personnalité, pas mon instruction, je n'en ai pas. But it was you, Lord.
Mais c'était toi, Seigneur, toi, Seigneur. You've let me zero the target. You've let me catch the big fish because you know I wanted to do it. Tu m'as permis de frapper la cible en plein centre. Tu m'as fait attraper le gros poisson parce que tu savais que c'était mon désir. You've given me fathers and mothers. You've given me brothers and sisters. Tu m'as donné des pères et des mères. Tu m'as donné des frères et des sœurs. You give me my health, you give me a wife, you give me family. Tu m'as donné la santé, tu m'as donné une épouse, tu m'as donné une famille. You're my guide, Lord. Tu es mon guide, Seigneur. Let me hold your hand. You'll never let me turn loose. Laisse-moi tenir ta main. Ne me laisse jamais la lâcher. If one hand gets weary, I just change hands. Si une main est fatiguée, je changerai de main. Help me, Lord. Aide-moi, Seigneur. Now may each one in here take a hold of that same lifeline, Lord. The Holy Spirit, which is our life, life-giving resource. Et maintenant, puisse chaque personne qui est ici saisir cette même corde de sauvetage. Seigneur, le Saint-Esprit qui est notre vie, notre source de vie. And may it guide us all to that happy land yonder, where the toils of life is over. And our work on earth is done. Et puisse-t-il nous guider tous vers ce pays de bonheur, là-bas, où les peines de cette vie seront terminées, et notre travail sur terre aura été achevé. And then there will be no more old age, no feeble people. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de vieillesse, plus de gens faibles. No more weary nights, no more crying and praying, no more altar calls. But we'll be young there forever. Plus de nuits pénibles, plus de larmes et de prières, plus d'appels à l'autel. Mais là-bas, nous serons jeunes pour toujours. Sickness and sorrow will be no more. La maladie et le chagrin n'existeront plus. There'll be no more sin. We'll live in righteousness of God to all ages that is to come to a ceaseless eternity. Il n'y aura plus de péché et nous vivrons dans la justice de Dieu pour tous les âges à venir. Au long d'une éternité sans fin. Granted, Father. Accorde-le, Père. Now, Father, if there's any in here tonight who's never had a hold of that lifeline, may they find it right now. Et maintenant, Père, s'il y a des gens ici ce soir qui n'ont encore jamais saisi cette corde de sauvetage, puissent-ils la trouver tout de suite. May the Holy Spirit who has guided. Et puisse le Saint-Esprit qui a guidé. And I can say from my heart with my hand on your word. He's always been right. Et je peux dire de tout mon cœur, avec ma main posée sur ta parole, il a toujours eu raison. I'm wrong many times, but he's right. Moi, j'ai souvent tort, mais lui, il a raison. Let him stay with me, Lord. Let me stay with him. Qu'il reste avec moi, Seigneur, que je reste avec lui. And may others in here who don't know him tonight, may they take a hold of his unchanging hand, that they might be guided down. Et que d'autres personnes ici, qui ne le connaissent pas ce soir, qu'il saisit sa main immuable pour pouvoir être guidé. Someday we're coming out to the river. Et un jour, nous arriverons au fleuve. It's going to be foggy that morning too. Il y aura du brouillard ce matin-là aussi. The old sea will be roaring, the old Jordan. The breakers are dashing, death choking the life out of us. La vieille mer mugira. Le vieux Jourdain, les vagues déferleront, la mort étouffera la vie qui est en nous. Mais, ô Dieu, je n'aurai pas peur. J'ai réglé ça il y a longtemps. I just want to take off the helmet as a warrior, turn around, look back down the path to see where that line has guided me to. Je veux simplement ôter le casque, comme un combattant, me retourner et regarder le long du sentier pour voir jusqu'où m'a guidé cette corde. Voir toutes les régions sauvages que j'ai traversées, tous les endroits où poussaient des ronces et où étaient empilés des cailloux sur lesquels je me suis blessé. Mais je tenais le fil. As you said, the poet did, some through the waters and some through the floods, some through deep trials, but all through the blood. Comme tu l'as dit, le poète l'a dit, certains passent par les eaux et certains passent par les flots,
Certains passent par de dures épreuves, mais tous passent par le sang. I want to take this, the whole sword here that protected me along the road and stick it back in the sheath. Scream out, Father, send across the boat this morning. I'm coming in home. Et je veux prendre ceci, la vieille épée ici, qui m'a protégé tout au long de la route, et la remettre dans son fourreau, m'écrier, Père, envoie la barque ce matin. Je rentre à la maison. You'll be there, Lord. You promised it. You can't fail. Tu seras là, Seigneur. Tu l'as promis. Tu ne peux pas faillir. Bless everyone that's here now. Bénis tous ceux qui sont ici en ce moment. Et s'ils ne savent pas comment tenir cette corde et n'y ont jamais touché, may holy hands raise up now, wanting hands, desiring hands, and touch the lifeline that will lead them to their heart's desire, perfect peace and satisfaction, rest in Christ. Puissent des mains saintes se lever maintenant, des mains qui le veulent, des mains qui le désirent, et qu'elles touchent cette corde de sauvetage qui les conduira vers ce que leur cœur désire, une paix et une satisfaction parfaite, le repos en Christ. With our heads bowed, would there be a hand raised up and say, let me hold my hand? Avec nos têtes inclinées, y aurait-il des mains qui voudraient se lever pour dire, que ce soit moi, tiens ma main. Oh, God bless you. Oh, que Dieu vous bénisse. When the way growing drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone. Quand le chemin devient lugubre, précieux Seigneur, reste tout près. Quand la vie m'aura presque quitté. At the river I'll stand, guide my feet, hold my hand. Take my hand, precious Lord, lead me on. Au bord du fleuve, je me tiendrai. Guide mes pas, tiens ma main. Prends ma main, précieux Seigneur. Conduis-moi jusqu'au bout. There'll be another raise up your hand, say, Lord, I want to feel the touch of the lifeline tonight. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui lèverait la main pour dire, Seigneur, je veux sentir d'une façon tangible la corde de sauvetage ce soir. I want to feel Christ has forgiven me of my sins and I want to be a new creature from this hour on. Je veux sentir que Christ m'a pardonné mes péchés et je veux être une nouvelle créature à partir de cette heure. God bless you. Que Dieu vous bénisse. But to be another, so let me touch you, Lord. Let me lose myself. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui dirait, laisse-moi te toucher, Seigneur. Laisse-moi me perdre. God bless you, sister. Que Dieu vous bénisse, sœur. Let me lose myself and find it, Lord, in thee. Laisse-moi me perdre et me retrouver, Seigneur, en toi. God bless you, God bless you. That's right. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. C'est ça. Let me lose myself, Lord. Let me forget. Laisse-moi me perdre, Seigneur. Laisse-moi oublier. God bless you, brother. Que Dieu vous bénisse, frère. Let me, God bless you, sister. Laisse-moi que Dieu vous bénisse, sœur. Let me just lose all my knowledge. God bless you, sister. Laisse-moi simplement perdre tout ce que j'ai comme connaissance. Que Dieu vous bénisse, sœur. Don't trust in man-made schemes. Follow the guide. He'll guide you into all truth. Ne faites pas confiance aux échafaudages d'idées humaines. Suivez le guide. Il vous guidera dans toute la vérité. Lead me, Lord Jesus. Lead me. Conduis-moi, Seigneur Jésus. Conduis-moi. God bless you back there. Que Dieu vous bénisse là-bas. Oh, many hands have been up, wanting salvation. Oh, beaucoup de mains se sont levées, désireuses du salut. Now, while we're the altar here, you can't call the altar because people are standing all over. Maintenant, pendant que nous, l'autel ici, on ne peut pas faire d'appel à l'autel parce qu'il y a des gens assis partout à l'autel. But he's right there. Mais il est là, tout près. You know good and well when you raise your hand, something happened in your heart. Quand vous avez levé la main, vous le savez très bien. Il s'est passé quelque chose dans votre cœur. Jesus said, he that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. You mean it? L'avez-vous fait sérieusement? And there's a pool here filled up with water. Yeah.
There'll be plenty of time for baptism. Let us pray. Alors, il y a le baptistère ici qui est rempli d'eau. Il y aura amplement de temps pour faire des baptêmes. Prions. Our Heavenly Father, this little broke-up message tonight through a hoarse voice. The Holy Spirit must have went out somewhere. Notre Père Céleste, ce petit message entrecoupé ce soir, transmis avec une voix enrouée, le Saint-Esprit a dû se mouvoir quelque part. It went where it was purposed. And there's many, Lord, tonight, some 15 or 20 raised up their hands that they need the guide. Il est allé où il devait aller. Et il y en a beaucoup, Seigneur, ce soir, peut-être 15 ou 20, qui ont levé la main comme quoi ils ont besoin du guide. They realize that they're trying to fool themselves. Ils se rendent compte qu'ils cherchent à se bercer d'illusions. They're trying to say, I'm all right, but way down deep, they know they're not. Ils cherchent à dire, tout va bien pour moi. Mais au fond de leur cœur, ils savent que ce n'est pas vrai. And they want to feel you, Lord. Et ils veulent sentir ta présence, Seigneur. They want the guide. They want to sign up. Ils veulent le guide. Ils veulent s'engager. You're never overstocked. Tu n'es jamais surchargé. They want to sign up for this trip. Ils veulent s'engager dans ce voyage. They don't know how to get there. No one knows how to take them there. You're the only one. Ils ne connaissent pas le chemin. Personne ne sait comment les emmener là-bas. Tu es le seul. They're coming for God's provided guide, the Holy Spirit. Ils viennent pour recevoir le guide pourvu par Dieu, le Saint-Esprit. They've raised up their hands. Ils ont levé leurs mains. Oh, Holy Ghost and guide, come down upon them. Ô Saint-Esprit et guide, descends sur eux. Forgive every sin. Pardon their iniquities. Pardonne chaque péché. Pardonne leurs iniquités. Take them into the body of Christ tonight, where they can feel the current of God flowing through that line that'll lead them on down to the Jordan and across Jordan to the Promised Land. Fais-les entrer dans le corps de Christ ce soir, où ils pourront ressentir le courant de Dieu qui passe dans cette ligne, qui les conduira jusqu'au Jourdain, et de l'autre côté du Jourdain jusqu'au pays promis. And they follow straight behind the word. Puissent-ils suivre directement derrière la parole. La parole dit, repentez-vous et ensuite soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils n'essaient pas d'y arriver par un autre moyen. Qu'ils suivent directement derrière la parole, car il est celui qui guidera. That's the steps to climb over till we can catch a hold of the guide. Ce sont les échelons qu'il faut gravir pour pouvoir saisir le guide. Grant it, Lord, may they be yours. Accorde-le, Seigneur, qu'ils soient à toi. They are in your hands now as trophies. No man can pluck them out. Ils sont dans tes mains maintenant, des trophées. Nul ne peut les ravir de ta main. I believe that you will take them as saved people. Je crois que tu les prendras avec toi comme des gens qui ont été sauvés. I believe they raised up their hands. They could not have done that in themselves unless something spoke to them. Je crois qu'ils ont levé la main. Ils n'auraient pas pu le faire d'eux-mêmes sans que quelque chose leur ait parlé. That was you, Holy Spirit and guide. C'était toi, Saint-Esprit et guide. They see the hours closing in. Fog is coming over the earth. Ils voient que l'heure approche rapidement. Le brouillard descend sur la terre. Great creeds and things are uniting together. Churches are confederating, coming together. Des grands credos et tout sont en train de s'unir. Les églises sont en train de former une confédération. Elles se rassemblent. And oh God, how they're trying to say all that has a peculiarity will have to leave here and go to Alaska. Eh, oh Dieu, combien ils essaient de déclarer. Tout ce qui sort de la norme devra partir d'ici et aller en Alaska. And all these things that they're threatening, it's not new to us. The great guide has showed us that in the path of the word. Et toutes ces menaces qu'ils profèrent, ce n'est rien de nouveau pour nous. Le grand guide nous a montré cela dans le sentier de la parole. We're just passing through that part of it. Nous traversons tout simplement cette partie-là de la parole. Father God, He spoke to them tonight, and I give them to you now as trophies of the word in Jesus' name. Dieu notre Père, tu leur as parlé ce soir, et je te les remets maintenant comme les trophées de la parole.
au nom de Jésus. Maintenant, posez sur la chair ici, Père, il y a des mouchoirs pour des gens qui sont malades. Some little baby, maybe. Some mother. Some sister, some brother. Even little hairpins stuck in them. Peut-être un petit bébé, une mère, une sœur, un frère. Il y a même des petites épingles à cheveux piquées dedans. And now I hold them up close to me. Et maintenant je les prends contre moi. Now we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed. Unclean spirits went out of people. Or, il nous est enseigné dans la Bible que des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades, et ils étaient guéris. Les esprits impurs sortaient des gens. Now we realize, Lord, that Paul was a man. He was just a man. Or, nous sommes conscients, Seigneur, que Paul était un homme. Il était seulement un homme. But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs and the faith that the people had that he was your apostle. Mais c'est de l'onction du Saint-Esprit sur lui que provenait la bénédiction sur ses mouchoirs et de la foi que les gens avaient qu'il était ton apôtre. Now Paul has been taken from us, but not the guide. He's still here. Maintenant Paul nous a été enlevé, mais pas le guide. Il est toujours ici. God, I pray that you'll bless these handkerchiefs and may the guide lead them to the place that complete surrender. Eh, ô Dieu, je te prie de bénir ces mouchoirs et que le guide dirige ces gens vers ce point de l'abandon complet. We're told again that when Israel was following their guide and they come right down to Jordan, right down rather to the Red Sea. Il nous est également dit qu'Israël, quand ils suivaient leur guide, ils sont arrivés jusqu'au Jourdain, jusqu'à plutôt la mer Rouge. And the very line of duty. They were stopped, and the guide led them down there. Dans l'exercice même de leur fonction, ils ont été immobilisés et le guide les avait conduits là-bas. What? To show his glory. Qu'était-ce? Pour montrer sa gloire. And when all hopes is gone, then God looked down through that pillar of fire, and even the old Dead Sea got scared, and she rolled back. There was a path made for Israel to walk over to the Promised Land. Et quand il n'y avait plus aucun espoir, alors Dieu a baissé les regards à travers cette colonne de feu. Et même la vieille mère morte a pris peur. Elle s'est retirée et un sentier s'est ouvert pour qu'Israël passe et se rende dans le pays promis. Truly, Lord, you're still the same God. Assurément, Seigneur, tu es toujours le même Dieu. These people maybe are Christians. Maybe they're right in the path of duty, but they've been brought into this cornered place where sickness has cornered them. Ces gens sont peut-être des chrétiens. Ils sont peut-être sur le sentier même du devoir, mais ils se sont fait coincer. La maladie les a coincés. Look down through the blood of Jesus tonight. That devil will get scared. He'll move back, and your children shall pass over to the promise of good health. Abaisse les regards à travers le sang de Jésus ce soir. Le diable va prendre peur. Il va se retirer, et tes enfants passeront de l'autre côté. La promesse d'une bonne santé. Granted, Father, I send them from my body to theirs in the name of Jesus Christ. Accorde-le, Père. Je les envoie de mon corps vers le leur, au nom de Jésus-Christ. I lift this congregation before you. By faith, I take them plumb to the glorious altar of God, yonder in heaven. J'élève cette assemblée devant toi. Par la foi, je les emmène directement au glorieux autel de Dieu, là-bas au ciel. Forever desire sickness, whatever they have, it's wrong. Whatever is wrong in their lives, anywhere, God cleanse them. Make them yours. En effet, tout ce qu'ils désirent quant à leur maladie, tout ce qui ne va pas chez eux, tout ce qui ne va pas dans leur vie, quoi que ce soit, ô Dieu, purifie-les, fais qu'ils t'appartiennent. Heal them, Father. May the power that raised up Jesus from the grave quicken their mortal bodies and make them new creations in Christ. Guéris-les, Père, que la puissance qui a fait sortir Jésus de la tombe rende la vie à leur corps mortel et fasse d'eux de nouvelles créations en Christ. Give them good health and strength to serve you. Donne-leur une bonne santé et de la force pour te servir.
Remember me, O Lord. I am your servant. Help me, standing in the need of prayer. Souviens-toi de moi, ô Seigneur. Je suis ton serviteur. Aide-moi en ce moment où j'ai besoin de prière. And I pray that the Holy Spirit will guide us and use us and lead us until the day we see Jesus Christ face to face at His glorious coming, when we meet Him in the air at the rapture. Et je prie le Saint-Esprit de nous guider, de nous utiliser et de nous conduire jusqu'au jour où nous verrons Jésus-Christ face à face à sa glorieuse venue, quand nous le rencontrerons dans les airs à l'enlèvement. In the name of Christ we ask it. Amen. C'est au nom de Christ que nous le demandons. Amen. Je l'aime. Je l'aimez-vous? Parce qu'il m'a aimé le premier. Et à qui mon salut? Sur le bois du calvaire. Now, if you don't love one another, who you have seen, how you go love him who you haven't seen? Maintenant, si vous ne vous aimez pas entre vous, ceux que vous avez vus, comment ferez-vous pour l'aimer, lui que vous n'avez pas vu? Now, when we sing, I love him, let's give our neighbor a hearty handshake of love. Maintenant, pendant que nous chantons, je l'aime, donnons à la personne voisine de nous une chaleureuse poignée de main remplie d'amour. Je l'aime. Que Dieu te bénisse, frère Neville. Calvaire. Now let's raise your hands to him. Maintenant, levez vos mains vers lui. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Calvaire. For a good song, would you like to hear one? Un bon chant. Est-ce que vous aimeriez en entendre un? I understand that we have an evangelist song we are here from Indianapolis. Si j'ai bien compris, nous avons avec nous un conducteur de chant qui est évangéliste, qui vient d'Indianapolis. Je crois qu'il chante au tabernacle Cadle, est-ce juste? All right, sir. That's his place at Cadle Tabernacle. Très bien, monsieur. C'est son poste au tabernacle Cadle. I never remember Z. Howard Cadle. Oh my. God rest his precious soul. Combien se souviennent de E. Howard Cadle? Oh là là, que Dieu donne le repos à son âme précieuse. The mockingbird of the air. A woman that I love to hear sing better than anybody I nearly ever heard sing in my life was Miss Cadle. L'oiseau moqueur des ondes, une femme que j'aimais entendre chanter, plus que tous ceux que j'ai entendu chanter au cours de ma vie. Pratiquement, c'était Madame Cadle. Saying, ere you left your room this morning, did you think to pray in the name of Christ our Savior as a shield today? Quand elle chantait, avant de sortir de ta chambre ce matin, as-tu pensé à prier? Au nom de Christ, notre Sauveur, qu'il soit ton bouclier aujourd'hui. Right across the street there one morning, in a little old two-room shack, I got up to go to going to make a fire. Juste ici, de l'autre côté de la rue un matin, dans une petite cabane de deux pièces, je me suis levé. Je m'apprêtais à faire du feu. The stove wouldn't burn, and I tried to start it. The wind come down, blew the thing out my face. Le poêle ne voulait pas s'allumer. J'essayais de l'allumer, et le vent descendait, et l'éteignait en me soufflant dans le visage.
this cold, and I was about frozen, frost all over the floor of me, barefooted, trying to get this little old tin stove started, little oven pipe on it. Et il faisait froid, j'étais presque gelé, il y avait du givre partout sur le plancher, et moi, j'étais nu-pied. J'essayais d'allumer ce petit poêle en fer blanc, avec son petit tuyau pour le four. Et je venais, Meda et moi, on venait de se marier, pas longtemps avant. Et j'essayais, le vieux bois était humide, il ne voulait pas brûler. Et j'étais assis là, je me disais, oh là là, je vais réessayer. Il fallait que j'aille travailler, et je faisais du vent dans le vieux poêle comme ça. J'ai étendu le bras et j'ai allumé la radio. Elle s'est mise à chanter. « Avant de sortir de ta chambre ce matin, as-tu pensé à prier ?» C'est bien simple, je suis tombé par terre. Au nom de Christ notre Sauveur, qu'il soit ton bouclier aujourd'hui. Oh, how I love to hear that woman. Oh, que j'aime entendre chanter cette femme. When I cross over the river sometime, I believe I'll hear Miss Cato sitting over there. À un moment donné, quand je passerai de l'autre côté du fleuve, je crois que j'entendrai Madame Cadle assis là-bas. You know, I've always made an appointment. Vous savez, depuis toujours, je me suis fixé un rendez-vous. On this side of the river, there's an evergreen tree. You know, the tree of life. De ce côté du fleuve, il y a l'arbre qui est toujours vert. Vous savez, l'arbre de vie. And over on the other side of the river, there's an angelic choir sings day and night. Because there's no night, they're singing all day, see? Et de l'autre côté du fleuve, il y a une chorale angélique qui chante jour et nuit. Parce qu'il n'y a pas de nuit là-bas. Elle chante toute la journée, voyez-vous? I'll get me a place to sit back and listen to it. Je vais me trouver un coin, m'installer à mon aise et écouter ça. I believe I hear Mrs. Cadle over there singing. Je crois que j'entendrai Madame Cadle chanter là-bas. God bless our brother. I forgot his name. What is it, brother? Que Dieu bénisse notre frère. Son nom m'échappe. Qu'est-ce que c'est, frère? Brother Ned Woolman will sing for you now. Brother Woolman, glad to have you here tonight. Frère Ned Woolman va chanter pour vous maintenant. Frère Woolman, on est content de vous avoir ici avec nous ce soir.